Bonsoir à tous. Bonsoir, merci pour nos invités que vous accueillir. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute. Bonsoir à vous tous, merci de nous recevoir. Peut-on s'aimer après s'être trahi? C'est le thème de notre émission de ce soir. Aimer et haïr, n'est-ce pas finalement si proche? Aimer comme haïr, c'est en fait avoir une seule et même personne dans la peau. C'est le cœur qui s'emballe au son de sa voix, c'est dans les caresses ou dans les coups, le besoin d'un contact physique, c'est enfin avoir le sentiment d'être pour toujours intimement lié à l'autre. Autant de similitudes troublantes entre l'amour et la haine qui nous incitent donc ce soir à nous poser cette question avec nos invités et se demander si tant qu'il y a de la haine, il n'y aurait pas au fond toujours un petit peu d'amour. Ce soir, dans Ça se discute, nos invités ont tous en commun d'avoir véritablement détesté leur conjoint, leur sœur, leur frère, leur ami, leurs parents, usés par la colère, la rancœur, l'amertume. Nos invités n'arrivent pas à faire la paix avec eux-mêmes comme s'il fallait pour cela qu'ils arrivent à pardonner à leur pire ennemi, de certaine manière de passer à nouveau de la haine à l'amour, de sentiments si lointains et pourtant si proches. Mais voilà, peut-on s'aimer sans arrière-pensée quand on s'est détesté? Comment passe-t-on de la haine à l'amour? Est-il possible de refaire confiance quand on a été trahi? Peut-on vraiment se réconcilier, recoller les pots cassés avec quelqu'un qui nous a tant blessés? Voici les questions que nous posons à nos invités, que je présente immédiatement. On commence avec vous, Martine. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Vous avez une grosse voix, Martine. Aujourd'hui, Martine, vous aimeriez faire la paix avec votre sœur. J'aimerais, oui. Enfin... Avec qui vous êtes fâchée depuis maintenant 12 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a pris mon mari. Enfin, ils sont partis tous les deux, ensemble. Enfin, ils sont, évidemment, ils sont coupables tous les deux. Ils sont toujours mariés? Ils sont mariés, oui, ouais. Maintenant, oui. Au bout de combien de temps de mariage, votre mari vous a quitté pour votre sœur? 20 ans. 20 ans de mariage. Ça a été très dur, parce que c'est pas comme si elle partait avec une amie. C'est, il était parti, je veux dire, avec une amie. C'est comme une, sa sœur, du feu, il y a du sang dedans. Et c'est très dur à vivre. Ça fait 12 ans pourtant. Oui. C'est encore dur aujourd'hui? Oui. Oui. Toujours. Vous êtes passé par toutes sortes de sentiments. On en parlera, Martine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de votre sœur? Des moments, j'aimerais la revoir. Et puis des moments, c'est la haine. Voilà. À qui vous en voulez le plus? À elle. Parce que j'estime que... Enfin, moi, je ne l'aurais jamais fait avec mon beau-frère. Ils se sont séparés, eux. C'est à la suite de ça, d'ailleurs, que Pourquoi c'est arrivé. Pourquoi il ne vous plaisait pas? Pardon. C'est pas qu'il me plaisait pas. C'était un copain à moi, elle l'avait connu. Bon. Non, mais pour moi, ça ne me serait pas venu. Pour vous aimeriez vous réconcilier avec votre sœur aujourd'hui? Me réconcilier? Il y a des moments oui, des moments non. Bon, on en parlera. Je vous expliquerai. Et on verra qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est elle, visiblement, qui a le plus de difficultés à renouer avec vous quand vous vous croyez lors des réunions de famille. Voilà. Et pourtant. Et pourtant. Céline et Christine, bonsoir à toutes les deux. Alors, bonsoir, qui est Céline, bonsoir. Qui est Christine? Céline. Céline, vous, d'accord. Christine, à la question que nous posons ce soir, Céline également, qu'est-ce que vous répondez toutes les deux? Oui. Oui? Oui, on peut s'aimer après s'être haï? Oui. Oui. Christine, au moment où vous avez su que votre mari vous quittait pour Céline, quel sentiment vous nourrissiez pour elle? Je la haïssais. Je voulais savoir absolument qui c'était, comment elle était... Je voulais qu'elle disparaisse de l'entourage, qu'elle quitte mon mari. Tout ça dans la rage? Ah oui. Ça vous a impressionné? Oui, beaucoup. Oui, c'est vrai que Christine m'a fait très peur au départ. J'ai eu beaucoup de mal à gérer. Elle avait une grosse voix au téléphone. Elle appelait souvent. Ça vous a fait peur? Beaucoup, oui. Ouais. Que vous ressemblez toutes les deux? On peut dire que votre mari a de la suite dans les idées, si je me permets, non? Non. Vous êtes vraiment détesté. On est surpris ce soir. Ah, bon. Vous êtes vraiment détesté pendant une période et aujourd'hui vous êtes très proches l'une de l'autre. Vous nous direz comment vous êtes passés de l'un à l'autre et vous direz quelle tête fait votre ex-mari à toutes les deux quand il vous voit toutes les deux aussi proches aujourd'hui. Je présente maintenant Muriel. Bonsoir Muriel, bienvenue parmi nous. Il y a un an seulement, vous avez décidé de renouer avec vos parents. Vous avez été abusé sexuellement quand vous étiez enfant par votre père et pourtant vous souhaitez à nouveau vous rapprocher de vos parents. De votre mère qui a vu sans rien dire et de votre père qui a agi de la pire des manières qui soit. Pourquoi vouloir vous rapprocher de vos parents maintenant? Parce que je me dis que c'est... que l'erreur est humaine, même si elle est grave, et que personne n'est à l'abri de commettre des... Quand on commet des actes comme ça, je pense qu'on n'a pas toute sa conscience. Il faut être animé d'un grand sentiment, enfin, il faut avoir le cœur très, 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 très grand pour pouvoir accepter des choses pareilles. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, d'accord, c'était il y a un an, effectivement, il a fallu du temps. Quels sont les sentiments que vous avez pour votre père et votre mère aujourd'hui? La compassion et de la compréhension. Eh bien, c'est du solide. Hein. C'est costaud, ça vient de loin. Oui.
On en parlera, Muriel, tout au long de cette émission. Je présente maintenant notre témoin privilégié qui conclura l'émission de ce soir. C'est un grand écrivain. Goncourt en 85 avec Les Noces barbares. Son dernier livre, un recueil de nouvelles publié chez Fayard, s'intitule Les Affamés. Je vous demande d'accueillir Yann Kefelec. Bonsoir Yann, qui est avec nous. Alors, la haine et l'amour. Sans haine et sans amour, est-ce qu'il y a encore un écrivain ? Alors, non, déjà, il n'y aurait plus d'écrivains, il n'y aurait plus grand monde. C'est vrai que c'est le grand sujet, la haine, l'amour. Dans l'amour, il y a un tel don de soi, un tel abandon, que lorsqu'il y a trahison, la force révélatrice et réparatrice de l'amour devient ravageuse. Le « je t'aime, je t'aime » devient le « je t'aime, je te tue ». Franchement, arrive-t-on à se réconcilier après ? J'ai des doutes, et lorsque j'entends Martine exposer son cas, j'ai l'impression qu'il y a une double trahison, une double dévalorisation, sur le plan conjugal, sur le plan fraternel et familial. Et ça doit être difficile pour elle, parce que dans ce cas-là, on peut avoir le sentiment que deux personnes, non seulement vous trompent, mais rient à vos dépens. Enfin, j'espère qu'elle y arrivera. Et quant à moi, j'attends de cette émission une leçon de vie, d'amour, d'existence. À travers donc tous ceux qui l'ont vécu et qui vont nous raconter un peu leur vie ce soir, je présente Sophie et Anne-Christine, qui sont sœurs toutes les deux. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, une bonne surprise, c'est que votre maman, finalement, vous a accompagnée ce soir, alors qu'elle avait refusé de participer au reportage. Ouais. Où est-elle ? Elle est derrière, dans le public. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis comme ça ? Je suis heureuse d'être là, déjà, pour mes filles. Et puis, pour moi, j'ai décidé ça. Je pense que c'est mieux pour nous tous. C'est le moment ? Ça vous fait quoi, Anne-Christine, de voir votre maman, ici, pour parler de choses qui vous touche autant ? Très émue. Très émue. Ça vous rend heureuse ? Oui, oui. Ça vous fait plaisir ? Énormément. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, sa présence ce soir ? On va de l'avant, on avance, donc ça peut être que positif. On part de loin ? Oui. Qu'on peut s'aimer après s'être trahi ? C'est possible. Ouais. Alors, ce conflit mère-fille entre vous, madame, et votre fille Anne-Christine, tout le monde a eu l'arme aux yeux, on va pas faire l'émission comme ça, hein, moi je vais pas y arriver. Hein. Vous êtes partie en fait très tôt de chez vos parents. Pour quelle raison ? Parce que je me sentais pas bien chez moi. Pas aimée ? Pas aimée. C'est un conflit mère-fille qui vous a longtemps empêché d'être une famille unie. Ça vaut pour toute la famille. Et c'est vous, Sophie, qui aujourd'hui avez essayé de recréer ce lien entre votre maman ici présente et votre sœur qui est à vos côtés. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous qu'elles se réconcilient aujourd'hui ? Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère près de moi et que je voyais bien qu'il n'y avait pas la même relation de l'autre côté et ça me culpabilisait beaucoup. Et ma sœur, je l'aime, ma mère, je l'aime, donc je voulais que ça colle entre elles. Qu'est-ce que vous êtes venue dire à votre fille Anne-Christine ce soir ? Je veux surtout faire la paix avec elle et qu'on oublie absolument le passé. Et puis voilà, je regrette énormément tout ce qui s'est passé. Mais... De ne pas avoir été suffisamment maternelle avec elle, c'est ça ? C'est pas tout à fait ça, c'est que j'étais obligée de la quitter. Bon. Elle avait l'âge, elle avait 5 mois quand je l'ai quittée au Portugal. Mais après, ça a été très compliqué pendant très longtemps. On en parlera, on peut pas en parler en 2 secondes. Voici un extrait de ce reportage. Ce genre de photo, t'as pas quoi, maman ? Non, du tout. Toute souriante, toute affective avec moi, étant bébé. Ah non, la preuve, elle est toute. Je suis toute seule, quoi. Ouais, c'est chez le photographe, quoi. Oui. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce genre de photo de proximité de moi et maman ? Est-ce que tu m'envies ? En fait, oui. Forcément, oui. J'avais la haine en moi, de la rage. Tu voulais te venger ? Ah oui, j'en pouvais. Je voulais en finir, hein. Depuis son enfance, Anne-Christine souffre de ne pas avoir été aimée par sa mère. Aujourd'hui, elle tente une nouvelle fois de renouer avec elle en lui écrivant une lettre qu'elle lui remettra en main propre. Ce que je veux te dire, c'est que mettons toute cette haine de côté et essayons enfin de nous aimer. Là, moi, je me dévoile et je ne sais pas s'il va y avoir du retour. Et là, après, vous apportez cette lettre à votre maman.
qui n'avait pas accepté la présence des caméras à ce moment-là, et vous en sortez complètement défaite. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Alexandre et Monique. Monique et Alexandre sont avec nous. C'est un plaisir de vous revoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. On s'est croisés un peu en coulisses tout à l'heure. Vous connaissez déjà très bien l'émission. Vous y avez participé il y a maintenant 2 ans. À l'époque, Monique, vous étiez venue témoigner du sentiment de haine qui vous animait pour la personne qui avait fait que votre fils devienne handicapé à vie lors d'un accident de voiture. Que ressentiez-vous à l'époque pour ce jeune homme qui est assis à vos côtés ce soir? De la haine. Une très grande haine. Et ça a été terrible. Je ne voulais pas le voir. Je refusais Alexandre. Alexandre qui était en état d'ivresse donc au moment de l'accident, qui conduisait, qui a été assez peu blessé, quelques contusions, alors que votre fils est tombé, François est tombé dans le coma et aujourd'hui est très diminué, comme on le voit dans ces images. Aujourd'hui, qu'êtes-vous devenus l'un pour l'autre? Très grande complicité, des liens très proches, ouais. Très très proches. Plus qu'un copain. Il est, oui, très très... Mais quoi alors? C'est difficile un peu à expliquer. Un fils? Pas tout à fait un fils, mais j'ai un besoin de voir Alexandre. Il fait partie de la famille. D'accord. Voilà. Un extrait de son reportage. Tu vas bien? Et tu sais que maman va aller chercher Alexandre. Il va venir un petit peu te garder. Tu veux bien? Qui c'est Alexandre pour toi? Mon pote. Ah, mais je suis bien contente. Il y a 3 ans, François, le fils de Monique, est devenu tétraplégique suite à un accident de voiture. C'est Alexandre, son meilleur ami, qui conduisait. Pendant plusieurs mois, Monique a détesté Alexandre. Le goûter. Je suis heureux quoi, qu'on ait réussi à surmonter chacun de notre côté ce qui nous empêchait de parler. C'est une bonne chose, quoi. En 2 ans, c'est vrai que de la haine, ouais. On le connaît plus trop ce ouais, mot, hein, du tout, même. Oui. Ouais. Non, c'est vrai qu'Alexandre, je t'aime beaucoup. On avait compris. Enfin, c'est une grande surprise pour nous de voir ça quelques 2 ans après maintenant. Et je dois dire que je pense qu'il n'y aurait pas eu ce lien s'il n'y avait pas eu l'émission. Bon, si ça peut servir à ça déjà, oui. C'est pas mal. Barbara. Bonsoir Barbara, bonsoir David, bienvenue à tous les deux. Il y a 10 ans, vous avez eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Comment ce coup de foudre s'est exprimé? Lors d'un baptême. Et alors? Et alors, coup de foudre? Ah bon? Alors c'est comment? Waouh! C'était bien? Super! Vous dites avoir vécu une relation passionnelle, ça vous a joué des tours par la suite, mais au début c'était quelque chose de très fort. C'était passionnel et fusionnel. Oui. Vous êtes mariés assez vite, combien de temps après ce coup de foudre? 9 mois. Vous aviez 24 ans à l'époque. Est-ce que vous saviez David jaloux avant de l'épouser? Passionnellement, je veux dire. Disons oui, oui. Je le savais jaloux avant de me marier avec lui. Jaloux à ce point? Vous saviez jaloux? Je savais très jaloux. Très jaloux. En fait, peu de temps après votre mariage, David, vous avez commencé à ressentir des pulsions de jalousie. Vous avez eu du mal à contrôler. On est tous un peu passés par là, mais pour vous, c'était plus dur que pour quiconque. Qu'est-ce que vous ressentiez exactement? C'était plus fort que moi, je pensais qu'à ça, quoi. Et je pensais que... Comme pourrir ma vie, tiens. Ouais, c'était obsessionnel. Je pensais qu'à ma femme, tout le temps. Au travail et tout le temps, ce qu'elle pouvait faire et tout. Elle vous obsédait au point d'être tout le temps dans vos pensées. Est-ce que vous étiez flatté au début de cet intérêt que votre mari a témoigné pour vous? Évidemment, oui, au début, oui. Je dis, waouh, il m'aime fort, hein, pour être jaloux comme ça. Oh là là. Au début. Ouais, pendant combien de temps? 15 jours. Ah oui. Et non, au bout de combien de temps les scènes sont vraiment devenues insupportables pour vous? Je pense que dès le deuxième mois, elles ont commencé à devenir insupportables. Mais je pensais que c'était le prix à payer pour le grand amour, en fait. Comment ça s'exprimait, cette jalousie? Par des questions sans cesse, des suspicions, des doutes. Voilà, il ne croyait jamais à ce que je pouvais lui dire. Si j'avais 5 minutes de retard, il se demandait où j'avais bien pu aller. Il s'inventait des histoires, quoi, en fait. Mais c'était souvent? C'était tous les jours. Vous n'arriviez pas à le détendre, en tout cas? Non. Vous ne parveniez pas à ça, oui.
C'était quoi comme explosion de colère? C'était plutôt des scandales en public, des règlements de compte à la maison? C'était plutôt la maison. Plutôt la maison? Ouais, je sais pas. Vous regardiez tout à l'extérieur, puis après, ça montait. Et après, vous étiez vraiment en colère? Ça criait? Non, c'est elle qui criait, moi, je criais pas. Ah non. Vous disiez quoi, vous? Moi, je posais des questions. Et vous posiez, vous reposiez, vous reposiez? Voilà. Ouais. Comme les caméramans qui sont bien à la maison, ils posent les questions tout le temps, tout le temps. Et ben, voilà, la même chose. Ouais. Sauf que nous, à un moment, ils s'en vont, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est un truc. Malgré tout, vous avez décidé de faire un enfant. Oui. Comment s'est passée la grossesse? Elle s'est passée. C'est-à-dire? Je pensais que justement, ça allait être une manière pour lui de voir que on concrétisait notre amour par ce petit, que c'était une preuve de confiance, c'était une preuve comme quoi je voulais rester avec lui et lui être fidèle. Et finalement, je crois que ça lui a donné une raison de plus de me posséder, en fait. De vous tenir près de lui? Voilà. Comment s'est déroulée cette grossesse? Un petit peu chaotique. C'est pas bien terminé pour vous deux? Il y a eu une séparation au milieu de la grossesse? Oui, il y a une séparation au milieu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que je me suis dit, s'il ne croit même pas en ça, il ne croira jamais en rien. Donc vous êtes partie? Donc je suis partie. Et qu'est-ce qui vous a fait partir? Le ras-le-bol. Et là, il y avait une. On a du mal à se rendre compte à quel point c'était un ras-le-bol pour vous. Qu'est-ce que vous subissiez qui devenait insupportable? C'est du harcèlement moral, c'est nuit et jour, c'est tout le temps. C'est vous faire baisser vous-même dans votre propre estime, puisque si on vous suspecte comme ça tout le temps, il y a peut-être une raison. Est-ce que j'avais un comportement particulier? Est-ce que. J'avais une double personnalité, je m'en étais pas rendu compte. Ah, vous êtes remise en cause. Enfin, je sais pas, mais je me suis demandé pourquoi ça pouvait être à ce point-là. Et de là, pour moi, le mariage c'est quelque chose d'important, et l'enfant c'était vraiment, voilà, c'est ce qu'on peut faire de plus beau, c'est ce qu'on peut. Et salir ça, non, c'était hors de question. Donc vous êtes partie. Donc je suis partie. Qu'est-ce que vous êtes dit quand elle est partie? Merde alors. Rien, qu'elle reviendra. Vous n'êtes pas inquiété plus que ça? Ça vous a pas alerté plus que ça, quoi? Non. Non, parce qu'on est de parents divorcés. Ah. Donc, quand on s'est mariés, tous les deux, on s'était dit qu'on ne ferait pas comme nos parents. Donc, vous pensez qu'elle ne pourrait pas divorcer, quoi? Ouais. Et pourtant, vous avez divorcé. Cette méfiance perpétuelle de David, ça a fini par vous monter sur les nerfs au point de vouloir vous séparer. Quels sentiments vous aviez pour David à ce moment-là? Quand j'ai voulu divorcer? Ouais. Ah, je ne pouvais plus m'encadrer. C'était simple, voilà. Je ne pouvais plus me le voir, c'était l'homme c'était à la haine. À la haine. Est-ce que vous lui avez dit que vous aviez la haine pour lui? Enfin... Oui, je lui ai dit, oui. Et ça, vous l'avez entendu? Oh ben, mais de toute façon, à partir du moment où elle m'a dit qu'elle voulait divorcer, je savais que c'était parce qu'elle me haïssait, quoi. Vous avez dit que c'était de votre faute? Ah oui, ça oui. Oui, vous l'avez dit. Ah oui, ça oui. Comment je savais que c'était ma faute, ouais. Il n'y a pas de problème, ouais. Comment vous avez appris que votre femme voulait divorcer? Je suis rentré un soir et il y avait une lettre qui était pour moi, mais qui m'était adressée. Donc, j'ai vu que c'était... une lettre pour d'un avocat. Et j'y ai pas cru, quoi. Même en lisant la lettre? Ouais, pendant une semaine, je crois. Ouais, une semaine, je croyais pas, quoi. Puis finalement, vous avez... Bah, au bout d'une semaine, et on se dit que, bon, bah, c'est vrai, quoi. Vous viviez ensemble, à ce moment-là? Quand je demandais le divorce? Ouais. Ah oui, on vivait ensemble. Quand la lettre est arrivée, vous étiez encore dans la maison? Ensemble. Oui. Je l'ai fait adresser à son nom, chez nous. Voilà. D'accord. Pourquoi vous l'avez pas dit? Pourquoi vous êtes passé par un courrier? Je trouvais ça plus marrant. Ouais. Non, je me disais, on a fait voir de toutes les couleurs. Ça y est, je suis arrivée au bout, là. Qu'est-ce que j'ai bien pu trouver à ce mec? Mais puisque c'est comme ça, on va inverser les rôles. Voilà. Je me suis dit, je vais lui faire goûter un petit peu. Vous avez ouvert la lettre, vous l'avez lu, vous avez digéré pendant 8 jours, et ensuite vous êtes parti. Ouais, après je lui ai dit, telle date, je m'en vais, je suis parti. Aujourd'hui, vous êtes marié ou vous êtes divorcé? On est divorcé. Oui. Divorcé. Oui. Main dans la main, divorcé. Ouais. D'accord. Très bien. C'est la France. Pourtant, après votre divorce, vous êtes donc remis en couple. Ça fait maintenant 4 ans que vous vous êtes réconciliés et que vous filez le parfait amour. Et pourtant, ils sont divorcés. Les crises de jalousie, les tensions, c'est derrière. Ça va, ouais. Vous arrivez à vous maîtriser, c'est dur? Ça va, non, ça va. Maintenant, j'ai mûri. Vous vous imaginez pouvoir l'aimer de nouveau? Oh, sûrement pas. Faut savoir écouter l'amour. Il nous donne parfois une deuxième chance. Regardez ce reportage à Nice de Miguel Gonan et Andrea De Arroyo. On s'est rencontrés, on s'est mis en ménage 15 jours après et on s'est mariés au bout de 9 mois. Donc, oui, pour moi, c'était l'homme de ma vie et il me le fallait coûte que coûte.
Et j'étais sûre de ne pas me tromper. Et je lui ai toujours dit, et je lui dis encore, tu vois, c'était notre destinée. On était fait pour, ouais, c'est vrai, pour c'est se rencontrer. Ah, je lui ai toujours dit. Hein. Ouais. Je me suis levée un matin, je l'ai vue. C'est, pour moi, c'était c'était le coup de foudre. Quand je l'ai vue le matin, à son réveil, c'était... C'était mignon. Ouais, c'était la plus belle femme. Moins d'un an pour se marier, mais après moins d'un an aussi pour se disputer. Quelque temps après leur mariage, David devenait de plus en plus jaloux. Excédé par toutes ces crises, Barbara se réfugiait chez son amie Sandrine. Ils avaient des disputes très violentes, elle pouvait partir en hystérie, donc il y arrivait de le gifler, forcément. Et puis forcément, lui répondait, il y est arrivé de répondre. Je crois que petit à petit, en fait, l'amour s'est transformé en colère. En incompréhension et en colère envers lui. Et la colère, elle a fini par exploser en haine. De le voir, ça me filait de l'urticaire. C'était même pas... Je pouvais même plus le voir respirer. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais trouver à ce mec ? J'ai vraiment réussi à me persuader que je le détestais. Je disais, j'ai jamais détesté quelqu'un autant dans ma vie. Quand ils se sont séparés, franchement, j'aurais jamais imaginé qu'ils se remettent ensemble un jour. D'ailleurs, il est midi. Tu permets que j'appelle David pour le petit bisou de midi ? Bon, je te manque au moins ? Moi, je te fais des gros bisous d'amour. À tout à l'heure. Bon, si t'as un trou, tu me rappelles si tu t'ennuies. Là, quand elle parle de lui, elle a à nouveau ce regard lumineux. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort entre eux. Je pense, ouais, c'est vrai, plus fort qu'avant. Malgré ce bonheur conjugal retrouvé, Barbara ne comprend toujours pas l'attitude de David. Qu'est-ce qu'on trouve, hein ? Pourquoi t'étais jaloux à ce point-là ? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait que t'étais jaloux ? Peut-être un manque de confiance en soi. Hein. Je pensais qu'elle était trop belle pour moi. Ça me pourrissait la vie et ça te bouffait ta vie à toi aussi. Ouais, tout à fait. Voilà. Parce que tu te laissais envahir par tes obsessions. Ou en voiture, au feu rouge, j'avais le malheur de regarder à droite. C'était pourquoi t'as regardé à droite. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que je m'imaginais plein de choses. Ouais. Voilà, tu croyais. Ouais, je croyais. On faisait les courses, je t'envoyais dans une allée. Tu croyais que je t'envoyais dans une allée pour draguer un mec dans une autre allée. Non, pas draguer. Tu me prenais pour une info. Vas-y, non. Sors les mots. Bon. N'importe quoi. Après 4 ans de vie infernale, Barbara demande le divorce. Ils se croisent alors uniquement pour la garde de leur fils Ilian. Secoué, David décide de suivre une thérapie et prend conscience qu'il est allé trop loin. J'étais voir un médecin, il m'a conseillé. J'ai mon père qui m'a beaucoup aidé. On a fait du sport ensemble. Ça, le sport, c'est la meilleure des thérapies. Donc après, avec le sport, on prend beaucoup plus confiance en soi. On devient beaucoup plus fort dans sa tête. Je me suis dit qu'il fallait que je commence à grandir, que j'avais un fils et qu'il fallait que je fasse très attention à lui pour que justement qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs que moi et qu'il ne soit pas comme moi, quoi. Qu'il soit calme, qu'il soit bien dans sa tête. C'est surtout ça. On s'est redécouvert petit à petit, mais personnellement, moi, mes sentiments ils sont revenus d'un coup, comme un deuxième coup de foudre, en fait. Et c'est revenu quand, enfin ? C'est revenu chez l'avocate. Au moment de la conciliation. Au moment de la conciliation, je ne sais pas pourquoi. J'ai proposé d'aller manger une glace avec le petit. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat, j'ai pas envie qu'il s'en aille. C'est lui, je m'étais pas trompée, c'est obligé. Comment ça se fait qu'on sort d'un bureau d'avocate, c'est pas normal. Voilà, comme un deuxième coup de foudre. David et Barbara divorcent quand même, mais décident peu de temps après de revivre ensemble. Tu peux venir s'il te plaît ? Grâce à tous ses efforts, David a enfin pris confiance en lui et n'est plus jaloux. Ouais, c'est sympa. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais, c'est beau. C'est chouette, ça te plaît ? Ouais, ça te met bien en valeur. Que ce soit ça ou un de ces trois-là, c'était proscrit, c'était même pas la peine d'y penser, quoi. Il me l'aurait fait déchirer, il me l'aurait fait jeter à la poubelle. Maintenant, je laisse faire et même si des fois ça me plaît pas trop, puis après ça passe de suite, quoi. Parce que si elle se sent bien, après on passe une bonne soirée. T'es ravissante comme ça. Viviane, la mère de Barbara, n'a jamais imaginé sa fille sans David, même lorsque Barbara lui demandait de lire son avenir dans les cartes. Bon, tu te sens de me tirer les cartes aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu veux ? Ouais, super. Pas de problème. Alors, tiens, tu mélanges les cartes, comme d'habitude. Tu penses bien à ce qui te préoccupe. Allez, sors mon 4, s'il te plaît.
Oh là là, et la lune, eh ben c'est bon tout ça. Je lui tirais les cartes comme je le fais comme ça à des amis pour s'amuser, etc. Et je voyais toujours son mari à côté d'elle. Je disais, il y a toujours l'homme dans la maison, il est toujours près de toi. Mais je disais, non, je peux pas le voir, c'est mon pire ennemi. Je disais, non, il est là. Vous allez former un couple et une famille. Elle m'a jamais dit, je l'aime plus. Elle m'a dit, je le déteste. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'était pire. Oui, justement, c'était tellement fort que on peut que détester quelqu'un pour qui on a encore des sentiments. Mais quels sentiments, faut les chercher? Bah, la haine, hein. Donc je savais que si elle était aussi énervée, aussi en colère contre lui, s'il avait des sentiments aussi forts, c'est qu'il y avait encore de l'amour. Donc quand il y a de la haine, il y a de l'amour. Vous avez l'impression parfois que vous revenez de loin quand même? Ben oui. Que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une femme comme j'ai. Ouh, pouvez-vous surprendre ça? Bon, un peu mon neveu. Ah bon? Encore? Non, c'est vrai. Encore? Non, c'est vrai. J'étais invivable. Franchement, ce qu'elle a vécu, j'aurais pas pu le vivre. Quoi. Le quart de ce que j'ai pu lui faire, moi, je serais parti. Quoi. Encore un peu? On te veut? Non, ça ira. qu'est-ce que vous lui avez fait? Des exemples, quoi. Il n'y en a pas, des exemples. C'est tellement idiot que c'est honteux. C'est pas la peine. C'est la jalousie, ça, c'est Ça vous bouffe? Ouais, c'est pire que tout, quoi. Franchement, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où vous avez cessé de l'aimer pour le détester? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, quoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais il y a peu de facteurs déclenchants, en fait. Ça s'est fait progressivement, c'est monté, je pense. Oui, voilà. J'ai arrêté de m'accrocher. J'étais la seule à m'accrocher à quelque chose. Et je pense qu'un matin, je me suis réveillée. Je me suis dit, ma pauvre fille, tu t'accroches toute seule. Donc, voilà, j'ai dit, bah, ça faisait quand même 5 ans que ça durait. Je me suis dit, peut-être que maintenant, ça s'arrête. Et vous disiez à cette époque-là, c'est la haine? J'ai de la haine pour lui? Oui, oui, oui. Ouais. La haine de quoi? La haine du fait qu'il ait tout gâché. C'est le sentiment d'échec par rapport à notre couple, par rapport à notre fils, par rapport à toutes mes espérances et aux siennes aussi. Pendant un moment, c'était ses espérances aussi. D'avoir tout sali, tout était si beau au début. Et tout aurait pu continuer à être si beau, et je trouvais ça... Bon, des trucs n'existaient pas, en plus, je veux dire, c'est ça, il y aurait eu quelque chose de concret. Mais vous pensiez parfois que cette... Oui, vous avez jamais trompé votre mari, ou... Ça va pas, non? D'accord. On se fait engueuler ce soir, hein. Vous êtes jamais dit, comme votre maman le signifie dans le sujet, que cette haine, ça cachait encore peut-être beaucoup d'amour? Ça me mettait hors de moi. Quand elle me disait, mais Barbara, si tu le détestes autant, c'est que tu l'aimes encore. J'ai pété une soupape, c'est pas possible. J'aime bien votre façon de parler, moi. Merci. Si j'ai bien compris... la vôtre. Ah bon? Ouais. Si j'ai bien compris ce que vous dites dans le reportage, Barbara, c'est lors de votre comment ça s'appelle? La conciliation. La réunion de conciliation chez l'avocat, que vous vous êtes senti à nouveau attiré par celui dont vous étiez en train de divorcer, quoi, finalement. Bah c'est oui. Bizarre, hein? Bah oui. Et vous avez divorcé quand même? Bah oui. Bah pourquoi pas arrêter en route? Non, on sait jamais. Ça peut recommencer. Puis bon, c'est entamé, c'est déjà payé, allons-y. Vous sentiez que ça pouvait repartir ou que c'était vraiment terminé? Non, pour moi, c'était reparti comme en 40. Mais bon, dans le doute, je me suis dit, on sait jamais. Divorçons quand même. Divorçons. Bon, encore que moi, j'étais un peu... Mais lui, finalement, il voulait divorcer après. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Tête dure, vous, hein? Il avait trouvé ça plus marrant. Tête de bois. À son tour. Non, pas tête de bois, mais si le mariage, ça a fait que c'était ma chose ou... Ben au moins, là, c'est plus ma chose. On est ensemble sans... Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, ouais. En tout cas, il n'y a pas de lien officiel, quoi. Voilà. Et je sais pas, peut-être ça y fait, quoi, mais... Dans votre cas, c'était le bon cas, ouais. Voilà. Le divorce, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Pour s'aimer, après, hein, pour s'aimer, après, ouais. Oui. Vous êtes plus jaloux, aujourd'hui, ou vous prenez sur vous? Si, j'y suis, mais beaucoup moins, quoi. Ça va, quand même. Vous avez le droit de parler avec un garçon pendant une soirée? Ouais, mais pas trop longtemps, quand même. Yann. La jalousie à ce point, c'est une forme de maladie. Donc apparemment, David a traité cette maladie, il est guéri. Mais est-ce que Barbara le considère comme quelqu'un de malade? Est-ce qu'elle prend des égards particuliers avec lui, ou est-ce qu'elle est tout à fait naturelle dans sa relation de couple? Ah non, je suis tout à fait naturelle avec lui. Je l'ai considéré comme quelqu'un de malade. Maintenant, il est guéri. Alors, Comment il est guéri? Prise de conscience?
New ouais, David. Ouais, New ouais. David. Le sport, un peu de. Le sport, costaud, hein. Un peu le sport, un peu de cachet, et c'est parti. Et un bon petit divorce là-dessus. Un bon petit divorce, et c'est bon. Alors vous êtes passé de l'amour à la haine, puis de la haine à l'amour. Vous n'avez pas peur de rebasculer parfois? Oh non, c'est trop fatigant. Un deuxième enfant? Ça y est. Bravo. On le sait depuis ce matin, alors. Ah bon, pardon, oui, d'accord, applaudissements. Alors, excusez-moi, pardon. Félicitations. Bonjour, toi. Comment s'appelle, le petit? Iliane. Tu le savais, toi, Iliane? Tu savais que tu allais avoir un petit frère ou une petite sœur? Oui. Quand est-ce que tu l'as appris? Ben, aujourd'hui. Comment on te l'a dit? Comment ils te l'ont dit, tes parents? Avec un test de grossesse. Test de grossesse, d'accord. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben ouais, c'est bien. Ouais. Et voir tes parents ensemble, maintenant, alors qu'ils se sont séparés, ça te fait quoi? Ça me va. Ça te va? T'y croyais, toi, qu'ils allaient se réconcilier? Pas trop. Pas trop? Non, pourquoi? Parce qu'ils ne s'aimaient pas et... Bon, aujourd'hui, ça va, ils vont bien ensemble. T'as l'impression qu'ils s'aiment vraiment? Oui. Bon, bah, ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Comme malgré les crises, malgré les mots violents, parfois, on va trop loin et on pense qu'on ne peut pas recoller les pots cassés. C'est une phrase qui fait partie de la sagesse populaire qui a traversé les temps. Et ces phrases-là qui traversent les temps, on se dit qu'elles doivent avoir quand même un certain fondement pour rester sur le marché. Comment vous expliquez que votre amour soit resté intact? Parce que c'était prévu comme ça dès le départ. C'était dans les tarots? C'était dans... Je sais pas, c'était... Si on s'est marié si vite, c'est qu'on en a été convaincus dès le départ. Moi, c'est vrai, tous les jeunes amoureux sont convaincus que c'est le bon, c'est la bonne. Ouais, bah oui. Mais non, il y avait un petit truc en plus entre nous. Donc, Mais je faisais partie des gens qui pensaient que c'était complètement stupide de divorcer pour se remettre après avec la même personne. Pour moi, c'était un acte de gens qui ne réfléchissaient pas. Pourtant, vous l'avez fait. Et pourtant, je l'ai fait. Ouais. Martine, si votre mari était revenu vers vous après le divorce, est-ce que vous auriez pu pardonner? Oui. Ah, je l'aimais. Vous l'aimiez encore? Je l'aime encore. Vous l'aimez encore? Vous n'avez pas refait votre vie depuis? Non. À cause de ça, justement. Parce que... J'ai fait... Vous en prie. Je rejoins le monsieur, là. Moi, jusqu'au dernier moment, je n'ai pas cru. Jusque dans la salle du divorce, je n'ai pas cru qu'il allait divorcer. Parce que moi, il m'avait dit toute ma vie, enfin jusqu'à là... Pendant 20 ans de mariage. Pendant 20 ans de mariage. Il m'avait dit, je ne te quitterai jamais, on sera toujours ensemble. Les copains qui divorçaient, puisque c'était l'époque, c'était le moment là où tout le monde divorçait. Nous, ça ne nous arrivera pas. Je n'ai jamais pensé à ça. Et quand il m'a proposé, quand il m'a dit... moi, il ne m'a pas laissé une lettre. Mais il m'a dit, on a rendez-vous chez l'avocat. J'ai rigolé, je suis l'avocat. Il dit, oui, je veux divorcer. J'ai dit, hein, j'ai pas cru, j'ai pas été. Il m'avait donné l'heure, tout, et j'ai pas été chez l'avocat. Votre sœur habitait chez vous à cette époque-là, à ce moment-là? Ma sœur, elle est venue chez moi pendant les fêtes de Noël. Et des fêtes de Noël, c'était le 1er janvier, comme enfin, ça c'est normal, hein, puisqu'elle sortait d'un divorce, elle. Et puis après, donc on a fait des projets pour qu'on avait une grande maison, pour qu'elle y reste. Parce que moi, je pensais pas que, évidemment, qu'elle allait prendre ma place. Donc, on avait fait des projets. Et puis, finalement, elle est restée à un certain moment. Puis, elle est partie après les fêtes. Et puis, elle est restée peut-être 2 mois. Et puis, elle est partie. Et puis, donc, en plus, ils ne pouvaient pas se supporter l'un de l'autre. Depuis qu'ils se connaissaient. Tant qu'il y a de la haine. Voilà, on ne sait pas. Alors, elle l'appelait de monsieur je sais tout, enfin, des tas de choses. Donc, j'étais loin de croire que... Que ça se finirait chez l'avocat, quoi. Ça se finirait chez l'avocat. Alors, l'avocat, donc, j'y suis pas allée. Et il m'a dit, quand il est rentré, je t'ai attendu, mais tu te rends compte, moi, j'ai payé l'avocat. Mmh. Et tu n'y as pas été. J'y ai rayonné, je lui ai dit, tu rigoles? Non, mais c'est pas possible. Tu m'avais toujours dit que ça n'arriverait pas. C'était pour me faire marcher, pour voir comment tu m'aimais, comment je t'aime, quoi, enfin, etc. Et puis, c'était pas vrai. Et il me dit, bon, ça s'est resté un petit peu comme ça. Puis, quelques temps après, là, ça s'est vraiment décidé. Il m'a dit,
Il m'a dit, il faut que tu partes. Mmh. Je lui ai dit, pourquoi? Mais j'ai dit, pourquoi? Dis-moi. Il m'a dit, parce que je suis trop vieux pour toi. On avait 5 ans de différence. Je trouvais pas que c'était trop vieux. Enfin bon. Mmh. Il me dit, maintenant, je suis trop vieux, il faut que tu en trouves un autre. Bon, j'ai dit, bon, non. Moi, ma vie, puis tu m'avais toujours dit, puis ma vie, on est mariés. J'étais heureuse. Rien ne faisait croire que dans notre couple, que ça allait se terminer comme ça. Et... Votre sœur était votre confidente à l'époque. Est-ce que vous avez été vers elle quand votre mari vous a dit toutes ces phrases pour essayer d'échanger avec elle? Non, parce que je n'ai pas voulu, parce qu'elle sortait d'un divorce. Aussi. Ouais. Et moi, pour ne pas la tracasser, je pensais que ça allait l'ennuyer. Donc, je ne voulais pas aller l'embêter. Quoi. Vous aviez pressenti à ce moment-là qu'elle pouvait devenir votre rivale un jour? Ah non, jamais. Ouais. Non, jamais. En plus, il ne s'aimait pas. Enfin, il disait qu'il ne s'aimait pas. Votre mari vous a donc trouvé un appartement après cette fameuse scène. Vous avez été invité à quitter votre maison quasiment sur le champ. Votre sœur est restée à ce moment-là? Non, elle était toujours chez elle. Et je n'ai pas réagi. Comme fait le monsieur. Ça m'est tombé comme un accident de voiture, si vous voulez. Ça passe. On n'a pas le temps de s'apercevoir de ce qui se passe. On n'a pas à savoir ce qui se passe. J'aurais pas jamais dû quitter. Maintenant, je le réalise. Maintenant, j'aurais dû dire c'est chez moi. Puis si tu veux partir, tu pars. Hein. Non, je me suis retrouvée. Vous êtes partie comme votre mari vous l'a demandé. Voilà. Et je me souviens que j'ai même laissé ma fille, qui avait 16 ans à l'époque. Et je la revois encore maintenant. Je réalise, je la revois derrière les carreaux, qui me voit partir. Je savais pas ce qui m'arrivait. Mais c'était de la folie. J'étais complètement anéantie. Non, comprenant pas. Non, je me suis retrouvée dans cet appartement, sur le lit, en train de pleurer, en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors là, j'ai pris la voiture, j'étais voir ma belle-mère, enfin, mon ex-belle-mère maintenant. Mmh. Et je lui ai dit, il faut que tu secoues ton fils, que tu lui dises quelque chose. Que tu le ramènes à la maison. Tu le ramènes à la raison. Ou à la raison. À la maison, à la raison. Oui, à la raison. Les deux. Les deux. Et sa réaction, ça a été terrible, parce qu'on se était très copines toutes les deux. Et sa réaction, elle m'a dit, t'es encore rebelle, t'es encore jeune, quand on ne peut pas retenir un homme, alors t'as qu'à partir. Alors je croyais du soutien. Elle savait ce que vous ne saviez pas encore? Là, je ne peux pas dire. Comment vous avez appris, Martine, finalement, que votre mari et votre sœur étaient amoureux l'un de l'autre? Eh bien, amoureux, j'ai appris qu'ils étaient ensemble. Comment? Moi, j'en sais pas. J'ai appris par mon beau-frère, parce que moi, on était restés en contact avec mon beau-frère. Celui que votre sœur avait quitté? Oui. Enfin, c'est lui qui l'a quitté. Hein. D'accord. C'est pas ma sœur qui l'a quitté. C'est lui qui l'a quitté. Et quand il l'a quitté, justement, moi, j'ai été vers lui. Ma sœur me l'avait demandé pour le raisonner, en lui disant, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux savoir, etc. Ce qu'on peut dire. Hein. Et puis un jour, il m'a appelé en me disant, tiens, j'ai quelque chose à te dire, tu peux pas passer. Alors, entre-temps, il avait trouvé une copine, il était avec une copine. Et donc, et puis il m'a dit, je ferais connaître ma copine. Donc il m'a dit, tu sais, ton mari est parti avec ta sœur. J'ai dit, ah, tu sais, c'est pas possible. Si, c'est vrai. Alors je l'ai calomnié, là, je lui ai dit que c'est pas vrai, que c'était méchant, c'est de la méchanceté, Il me dit oui, et puis même je vais t'annoncer une chose, c'est qu'ils se sont mariés. Ils se sont mariés? Oui. Alors là, je n'ai pas cru. Je lui ai dit non. Je l'aurais su, tu débloques. Et puis finalement, il m'a dit, écoute, je peux par mon avocat avoir le papier comme quoi ils se sont mariés à la mairie. Et l'avocat peut me le procurer. Donc, il m'a donné la photocopie de l'acte de mariage. Et alors là? Et bien là, c'était affreux. Parce que j'ai vu que vraiment, je ne le récupérerais pas. Ah, vous y croyez encore? Oui, j'y croyais encore. J'ai dit, donc, c'est un passage. C'est ces 40 ans qui arrivent. C'est un petit moment de... Quand vous avez appris que vous étiez mariés tous les deux, à qui vous en vouliez le plus? Comment vous considériez la chose, quoi? Je ne sais pas, j'en voulais plus à ma sœur. Parce que je disais, non, elle me l'a pris, quoi. Vous êtes allés les voir tous les deux? Essayer de voir ce qui se passait, quoi? J'ai voulu parler à lui. Elle a refusé de me parler. Et puis, il disait à tout le monde que finalement, ils avaient réuni leur, euh,
Ils s'étaient réunis tous les deux parce qu'ils avaient tous les deux du chagrin, si on peut dire. Je ne sais ils ont pas réuni quel leur solitude. Voilà, je cherchais le nom, c'est ouais. Voilà, leur solitude. Tout le monde, ils ont tous dit ça à tous les amis. Vous étiez en colère, vous, parce que vous avez l'air très calme, là. Je sais pas, vous êtes... Oh non, je suis passée à des colères terribles. Ça, quel sentiment vous éprouvez? Je vous dirais que le jour du divorce, je dois avouer que je lui ai craché à la figure, quand ça a été fini. Parce que je n'y croyais pas jusqu'au bout. Et ensuite, quand vous avez appris qu'il s'était marié avec votre sœur, quel sentiment vous éprouviez pour l'un et l'autre? C'était de la haine. La haine. La haine pour les deux? La haine, oui. La même haine? Ah oui. Parce que ce sont deux amours, mais deux amours très différents, l'amour pour une sœur et l'amour pour un mari. Mais... Oui, mais c'était une haine différente. Mais vous n'avez pas besoin d'en parler avec eux, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé? Eh bien, je voulais. Je veux toujours. Je voudrais qu'ils me le racontent. Et les deux refusent? Et personne. Alors, il y en a un... C'est lui? Bon, lui me disait toujours qu'il était trop vieux, donc d'en prendre un plus jeune. Oui, enfin bon, le prétexte, il ne tient pas longtemps quand même. Hein. Quant à ma sœur, elle a refusé totalement de me dire pourquoi. Vous avez réussi à évoquer cette trahison dont vous avez été victime avec elle? Vous asseoir toutes les deux quand même, essayer de... Oui, quand on s'en compte, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 3 ans, au mariage de ma fille. Il y a 3 ans, la dernière fois? Oui, mais au mariage de ma fille, j'ai ma fille qui s'est mariée, et ma fille s'est tirée de leur côté. Parce que, point d'interrogation, je ne sais pas. Parce que ce que j'ai pensé, c'est que lui, il avait une très belle situation. Et donc, vous savez, elle avait 16 ans, donc il lui fallait des tas de choses que moi, je ne pouvais pas lui donner. Aujourd'hui, vous avez encore une relation problématique avec votre fille aussi? Je ne la vois pas. Vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai un fils, que lui, il est avec moi. Mais j'ai ma fille, ça c'est le plus gros chagrin, en plus du reste. Je ne la vois pas. Elle a 28 ans et je ne la vois pas. Votre fille, votre sœur, votre ex-mari. Voilà. Il ne me reste que mes parents et mon fils. C'est tout. Vous avez ce sentiment de vouloir vous rapprocher de votre sœur, principalement. Alors donc, il y a 3 ans... Qu'est-ce qui se passe dans votre... Donc, je vais vous expliquer. Donc, il y a 3 ans, on s'est rencontrés pour ce mariage, puisque mon ex m'a contacté en me disant « Ta fille se marie, est-ce que tu veux venir ?» Je dis « C'est ma fille, je viens. Je serai présente. » Il me dit, tout le monde fera comme si rien n'était. Je dis, je suis d'accord. On fait comme si rien n'était. Ça a été gros, ça. C'était dur à supporter. Les voir tous ensemble, toute ma belle famille, tous. Mais moi, j'étais à part. J'étais avec mes amis. Mais des amis qui étaient autres. Parce que tous mes amis se sont mis en dehors. Donc, vous n'avez pas d'histoire commune avec ces amis qui étaient là ce jour-là, quoi. Voilà. C'était des amis que je m'étais fait après le divorce, qui étaient présents. Qu'est-ce que vous ressentez, Martine, au fond de votre cœur aujourd'hui, vis-à-vis de votre sœur? Donc j'ai dit que j'avais bien parlé ce jour-là. Ah j'ai bon pas fini. D'accord. J'avais bien parlé, on s'est retrouvés ce jour-là. Comme si rien n'était. On était redevenus. Puis moi j'avais tout oublié. Vous savez, on a reparlé de notre enfance, j'avais retrouvé ma sœur, j'entendais presque. Mais ensuite c'était fini. C'était terminé. J'ai dit tiens, il y aura peut-être une suite. J'ai essayé, mais c'était fini. Elle avait fait bonne mine, puis c'est tout. Elle ne veut plus revenir vers vous. Pourquoi, à votre avis? Peut-être la honte. Je ne sais pas. Peut-être la honte. Mais c'est dur, et puis c'est dur pour mes parents aussi. Parce que mes parents ne veulent plus la voir aussi. Ils ne peuvent plus la voir, elle? Oui, parce que c'est... On était une famille trop liée. On était trop ensemble. Si elle vous appelle? Si elle m'appelait, je répondrai. Vous avez de l'amour pour votre sœur? De l'amour? Oui. Oui, au fond, oui. Votre ex-mari aussi? Mon ex-mari? Oui. Votre fille aussi? Ma fille, beaucoup. Beaucoup. Est-ce que parfois vous avez de la haine pour ces 3 personnes? Ça se mélange. C'est un mélange. J'ai pas pu en faire le deuil. Je suis une fille qui vit dans les souvenirs. Alors tout me rappelle les souvenirs. Comment se fait-il que vous puissiez aujourd'hui les aimer encore? Comment vous l'expliquez, vous? Je me l'explique parce que, bon, premièrement, mon mari, c'est mon mari. Pour moi, je sais pas. J'ai toujours pas pensé à faire une autre famille. Je suis tombée amoureuse, j'avais 17 ans. Et pour vous, ces souvenirs-là, cet amour-là, il tient pour toute la vie, plus, quoi. Et en plus, s'il avait été violent, méchant, des tas de choses. Je l'aurais... Bon, là, ce n'était pas le cas.
j'aimerais qu'ils me disent en face, ben voilà, je ne suis pas une sainte, hein, peut-être qu'il y avait, j'ai peut-être eu des problèmes. Hein. Il me l'aurait dit. Ben, j'aurais dit oui, ben d'accord. Hein. Ce qui fait que là, comme vous n'avez pas l'explication, voilà. vous vous posez des questions. Je vis dans le doute. Vous aimeriez que ça, vous imaginez parfois que ça puisse repartir comme avant avec votre sœur? Non, c'est un rêve. C'est un rêve quand même, quoi. C'est un rêve, oui. C'est un rêve que vous désirez, quoi. C'est un rêve. Pour répondre à la question de ce soir, vous pourriez aimer à nouveau, aussi bien l'un que l'autre. Ça, c'est... Aimer, moi... Si j'avais des explications, oui, je pense que... À la lumière de votre histoire à toutes les deux, Christine et Céline, le fait que le rêve que fait Martine... Vous avez dit rêve, hein, Martine, oui. de retrouver sa sœur, est-ce que ça vous semble réalisable? Oui. Oui, quelque part, mais il faut qu'il y ait des explications. Et puis, je pense qu'aussi au niveau des enfants, puisqu'il y a... Ouais. Votre fille a pris un parti, le fils l'autre. Et vous n'avez pas eu de discussion avec vos enfants? Ma fille refuse. Mon fils, bon, ça, on est bien ensemble. Mais votre fille? Mais ma fille refuse absolument. C'est terrible le doute. Hein, quand il n'y a pas d'explication, ça laisse la place à tous les fantasmes, les imaginations. Ça, c'est vraiment pas bien de laisser. Pourquoi vous dites oui, toutes les deux? Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, on a eu le temps de s'expliquer. Ouais, mais qu'est-ce qui vous fait sourire, là, précisément? Parce que le doute, au départ, il y en a eu beaucoup, surtout de la part de Christine. Donc, de quel doute vous parlez? Disons que son mari est parti pour moi. Donc, toutes les questions que pose une femme qui se sent trompée, trahie par son mari. Questions qu'elle se pose à elle-même? Oui. Voilà. De quel doute, alors, en particulier, vous parlez là? Je n'étais pas sûre, en fait, qu'il était parti. Je ne savais pas avec qui, déjà. Donc, parce qu'un soir, je lui ai demandé, mais t'as quelqu'un d'autre? Mais comme ça, il n'y avait rien eu de particulier. Vous n'avez pas compris pourquoi il partait, vous non plus? En fait, c'est moi qui l'ai mis dehors, parce que quand il m'a dit qu'il avait quelqu'un d'autre, je suis allée partir. Vous n'avez pas compris qu'il puisse avoir quelqu'un d'autre? Enfin, vous n'avez rien vu venir, quoi. Non. J'ai rien vu du tout. Comment vous avez appris que Céline était entrée dans la vie de votre mari, Claude? Parce que je lui ai fait dire qui c'était, et puis j'ai interrogé tout le monde, et j'ai téléphoné partout pour savoir qui c'était, quoi. J'ai réussi à avoir son nom, et à la contacter, à la harceler. Quand vous l'avez rencontré, cet homme, vous saviez qu'il était engagé, qu'il était marié? Oui. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Disons que j'étais formatrice dans un centre de formation professionnelle et il était stagiaire. Et puis on discute beaucoup avec les stagiaires et puis on a aussi leurs fiches de renseignement. Mais au départ, c'était un copain. Et puis jusqu'à ce qu'il parte, c'était qu'un copain. Et Christine ne m'a jamais cru au départ. Elle croyait qu'il était parti pour moi. Or, dans la réalité, non. Et puis, j'étais sur le point de me marier. Si, ma robe était achetée. Ça faisait déjà quelques mois que ça n'allait plus avec mon compagnon. Votre futur ex, oui. Voilà, mon futur ex, voilà. Mmh. Comme tout était engagé vis-à-vis de mes parents, je me disais, il faut que je me marie quand même. Je vais me marier, Et donc pour Claude, vous avez quitté votre futur ex? Non. Disons que je suis partie. Christine a mis Claude à la porte le jour où moi j'ai mis le mien à la porte aussi. Mais c'est une pure coïncidence. Et donc c'était un vendredi soir et le lundi quand on s'est retrouvés au centre. Vous avez dit que vous étiez libres tous les deux, quoi. Il m'a dit je me suis fait mettre à la porte. J'ai dit moi il est parti. Et puis on a démarré une histoire comme ça. Mais Christine a eu du mal à me croire quand je lui ai dit quelques temps après que... Surtout qu'il avait dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie, mais avait quelqu'un dans ses pensées, voilà. La veille, j'avais reçu un coup de téléphone où on m'avait demandé que Claude assiste à une réunion pour cette formation le samedi tantôt. Il ne m'en avait pas parlé. Donc pour moi, il y avait un lien avec la formatrice, quoi. Ça chauffait en vous? Un peu comme David, vous êtes un tempérament sanguin, je veux dire. Oui, ça part très vite. Oui. Alors vous avez rapidement, donc, Céline, puisque ça part très vite, pris concrètement conscience de ce que signifiait l'expression « briser un ménage » Oui. Hein? De quelle façon exactement? Disons que Christine appelait sur mon lieu de travail. Elle me harcelait tous les jours. Elle m'a menacé de me faire perdre mon emploi, ce qui est arrivé quelques temps après. Vous avez réussi? Voilà. Donc j'ai perdu mon travail. Comment vous avez fait? J'ai appelé son directeur. Vous avez dit quoi? Je lui ai dit que c'était pas normal que les formatrices sortent avec les stagiaires. Voilà. Ça m'a pas fait virer, quoi. Oui, voilà. Pour cette raison? Il en a trouvé une autre. Mais c'est pour vous, c'était celle-là, quoi. Mais oui, je suis persuadée que c'est celle-là. À part celle-là, vous parlez de harcèlement de... Oui, elle conduit des bus, donc elle,
Elle m'a gentiment dit qu'un jour, qu'elle utiliserait ma voiture comme un suppositoire et qu'elle emboutirait ma voiture. Donc j'avais une super Saint Rouge à l'époque et on habite une ville qui n'est pas très grande, donc je passais mon temps à éviter les lignes de bus pour éviter le sien. C'était assez sympathique. Moi, je cherchais partout sa voiture. Voilà. Je cherchais où elle habitait. J'étais dans... Avec votre bus ? Non, pas avec le bus. Non, mais bon... C'était harcèlement, coup de fil, qu'est-ce que vous faisiez alors ? Je voulais absolument savoir comment elle était. En plus, bon, dans mon entourage, on me l'avait décrite. Je savais qu'elle avait une R5 rouge. Non, d'accord. Vous étiez grosse ? Oui, grosse et moche. C'est ce qu'on m'avait dit. Donc, et c'est ce que je lui disais, mais moi, je faisais peut-être encore plus qu'elle. Vous lui disiez à elle qu'elle était grosse et moche ? Ah, oui. Elle me l'a dit, oui, parce qu'elle m'a gentiment... Enfin, gentiment. Christine a, comment dire, m'a obligée à aller chez elle. Comment vous avez fait ? Mais je lui ai dit qu'il fallait qu'elle vienne voir la situation, qu'elle vienne voir les enfants en bas âge, puisque ma fille avait 6 mois et mon fils avait 3 ans. Donc, je voulais qu'elle se rende compte vraiment, visuellement, de ce qu'elle faisait. Vous êtes allée ? Oui, mais pas toute seule. Vous aviez peur ? Oui, beaucoup. Vous avez été avec qui ? Je suis allée avec la femme de mon papa. Votre belle-mère, donc ? Voilà. Pourquoi y avoir été ? Parce qu'elle elle me menaçait de me faire perdre mon travail. C'était pour sauver votre emploi que vous êtes dit, essayer de sauver, ouais, de limiter la casse. Oui, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cet entretien chez vous ? Quand je suis arrivée là-bas, disons qu'elle m'a presque enfermée dans sa maison. Elle avait élevé son fils de 3 ans, qu'elle avait posé dans le fauteuil qui était le fauteuil de son mari pour regarder la télévision. Et puis elle m'a poussée dans la chambre de Marine pour aller voir le bébé qui dormait. Elle m'a sorti des livres de compte en me disant « Tu te rends pas compte dans quel problème, situation financière tu vas nous mettre, tu brises un ménage, ils vont plus avoir de père, mes enfants. » Enfin, c'était... Elle vous l'a dit ou elle vous l'a hurlé plutôt, ça ? Crier très fort. Ouais. Pas hurlé, mais crier... Oui, voilà. Mais j'étais dans quel état ? J'étais dans un état second, en fait. Hein. Je réalisais pas... Je voulais toujours récupérer mon mari à ce moment-là, le père de mes enfants, parce que c'était ma fierté qui était atteinte beaucoup, puisque bon, moi, je me suis mariée très jeune, et puis et je voulais absolument mes enfants, donc, et le père aussi. Donc, c'était cassé une image de ce qu'allait être ma vie. Donc, j'étais devenue mère avant d'être femme. Et, et je pensais qu'à ça, en fait, je me disais, par rapport à ma fierté surtout, comment je vais annoncer qu'il est parti pour une autre et, C'était ça qui était le plus fort. Ouais. Ça, c'était très dur. Qu'est-ce que vous ressentiez vis-à-vis de Céline ? De la haine, parce que je ne comprenais pas qu'elle puisse faire ça. Je me disais, un jour, elle sera mère et elle verra pour ses enfants. Vous avez pensé à la frapper, physiquement ? Ah oui, oui. Oui, puis en plus, je savais qu'elle avait peur, puisque les gens me le disaient, donc... J'en profitais un peu. Qu'est-ce qui vous a retenu ? En fait, on s'est vus ce jour-là. Et puis, y a peut-être eu un déclic où il a fallu aussi qu'on s'arrange pour que les enfants voient leur papa. Et puis, ça s'est mal passé avec le papa aussi. C'est-à-dire ? J'avais pas de dialogue, en fait, avec lui. Donc, c'est avec Céline qu'on a commencé à avoir... Ce dialogue indispensable, ne serait-ce que pour savoir quand qui... Pour la garde des enfants, pour les week-ends. Et puis, peut-être que je voulais aussi qu'elle se rende compte... Ce que ça représentait, quoi, d'avoir une petite famille et de se faire abandonner par son conjoint. Alors, étonnamment, pendant cette période, Christine, de ces quelques mois dont vous parlez à l'instant, vous avez apprécié aussi et assez vite votre vie de célibataire. Vous êtes pas mal sortie, vous avez profité bien de vos week-ends, etc. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que pendant ces week-ends de sortie, vous avez souvent croisé votre mari qui lui-même s'amusait pendant que votre rival gardait vos enfants. Oui, ça, c'était un peu plus tard. Ça a été un peu plus tard, oui. Hein, parce que, bon, il y a quand même eu la séparation, il y a eu... Les trois de garde qu'il avait. Vous n'avez pas eu à imaginer un jour vous venger un peu, essayer de même furtivement de coincer votre ex-mari dans un coin. En fait, j'ai retrouvé du fait qu'il prenait les enfants, je me suis mise à sortir et en fait j'ai eu une seconde jeunesse et puis je suis redevenue femme. Mais quand vous l'avez vu lui, Claude, pendant que vous sortiez. Moi, je rigolais parce que c'est Céline qui gardait les enfants. Ouais. Vous le saviez que votre compagnon s'amusait, si j'ose dire, avec son ex ? Mais c'était sur la fin, ça. Oui. C'était sur les derniers mois. Vous le saviez ? Je m'en suis rendu compte, oui, parce qu'il était supposé aller voir un match de foot avec des copains. Et puis, un dimanche matin de bonne heure, il est revenu avec
du fond de teint sur sa chemise. Donc oui. Je me suis dit... La troisième mi-temps a dû être Oui, voilà. Oui. Un match de foot qui se termine avec du fond de teint sur une chemise, c'est un drôle de match de foot. C'est ça. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vouloir vous séparer de Claude, ce qui a été le cas au bout de 2 ans. Oui. Ce qui aurait dû vous éloigner définitivement de Christine, puisque le seul lien que vous aviez, c'était Claude, évidemment. Et si vous partiez... Non, c'était les enfants. C'était les enfants, mais si vous partiez, vous n'aviez plus de contact direct avec ces enfants. Donc il n'y avait plus de lien direct qui vous rapprochait. Oui. Pourquoi vous avez quand même gardé un lien avec celle que vous aviez tant haïe? Moi, je ne l'ai pas haïe. J'ai eu peur d'elle. Elle m'a haïe. Qu'êtes-vous devenue l'une pour l'autre aujourd'hui? Des amis. Très proches. Très proches. Qu'est-ce qui a rendu possible cette amitié après toutes ces péripéties, quoi? Bah, les enfants. C'est Gaëtan et Marine qui ont fait que, quelques mois après ma séparation d'avec leur père, je suis partie en vacances, j'ai envoyé une carte postale. Et puis, j'ai croisé Christine dans son bus un jour, quelques mois après. Dans votre voiture rouge? Oui, toujours, oui. Mais j'avais plus peur d'elle parce qu'on avait réussi à créer une entente cordiale pour gérer les moments de garde. Donc, quand Christine appelait à la maison, Claude disait « c'est Christine ». Et donc, on gérait toutes les deux les plannings, les horaires. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, donc, j'ai dit à Christine, j'ai dit, Gaëtan et Marine, ils me manquent. J'aimerais bien les revoir. Est-ce que c'est possible? Et Christine m'a dit, bah oui, passe à la maison. Voilà. Donc, je suis passée une fois, deux fois, trois fois. Et puis c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Elle a organisé mon mariage, parce que je me suis remariée. Ah oui? Et voilà. Puis... Comment? Oui. Vous avez pu refaire votre vie? Oui. Ça vous intéresse, ça? Ah oui, oui. Et vous? Qui, moi? Oui, c'est moi qui lui ai présenté son mari. C'était un ami à moi. Ouais, mon futur ex. Ah, je vous en avez pas. Le premier ou le deuxième? Peut-être, Martine. Je suis en instance de divorce. C'est en instance de divorce? Oui. Donc aujourd'hui, je la soutiens. Voilà. Donc je vais chercher auprès de Christine des conseils qu'elle peut me donner de par l'expérience qu'elle a. Quel regard vous portez sur ce changement de sentiment à l'égard de Céline que vous avez eu? Qu'est-ce que ça vous a appris sur la vie? Moi, je ne peux plus juger aujourd'hui Martine, par exemple. Il faut qu'elle fasse un trait sur son passé, quoi. Je veux dire, on se reconstruit. J'ai vécu autre chose. Parce que Martine disait qu'elle vivait dans ses souvenirs. Ouais, mais vivait dans nos souvenirs, on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous, on en rigole. Il faut le trier, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut tourner la page. Ouais, je pense qu'il faut que vous arriviez à tourner la page. Vous avez raison, oui. C'est ce que tout le monde me dit. Mais... C'est pour ça que vous êtes venu nous voir aujourd'hui? Oui, oui. Pour essayer de faire un point, quoi, avec d'autres personnes. N'hésitez pas à intervenir, hein, Martine, évidemment. Monique et Alexandre, vous les connaissez peut-être si vous suivez ces discussions depuis longtemps. Ils étaient avec nous il y a 2 ans, ils étaient venus témoigner sur le même plateau. Aujourd'hui, on se réunit sur un autre thème. Peut-on s'aimer après s'être trahi? À l'époque, vous n'étiez pas assis côte à côte. Hein. Non. C'était impossible, vous l'imaginez? C'était impossible, oui. Oui, oui. Je ne voyais pas du tout Alexandre. Alors, je rappelle qu'en 2001, le 7 avril, alors que vous conduisiez en état d'ivresse, Alexandre, vous avez eu donc ce grave accident de voiture. De votre meilleur ami était à vos côtés, François, qui est donc le fils de Monique, qui était le passager. Vous en êtes sorti avec quelques côtes fracturées et lui est tombé dans le coma pendant 7 mois. Il en garde aujourd'hui des séquelles assez graves? Oui, très graves, des lésions irréversibles. Et il sera, on ne verra jamais François debout. Dans les quelques mois qui ont suivi l'accident, Alexandre, quel sentiment vous aviez vis-à-vis de François, votre copain? Bah, envers lui, en fait, il n'y avait pas trop de sentiments. C'était plutôt envers moi, quoi. Je m'en voulais terriblement, quoi, d'avoir créé cet accident. Pendant les mois qui suivaient, je ne savais même pas s'il allait survivre à ses blessures, quoi. Comment pensiez-vous aussi à la famille de François, sa maman en particulier? Bah, je me disais qu'il devait me haïr, quoi. C'était le cas, quoi. Parce que vous étiez en état d'ivresse, ce jour-là? Oui, oui. Et que vous étiez au volant? Oui. Et Monique, en particulier, qui refusait absolument de vous voir? Bah, ça, c'était compréhensible, en fait, parce que, bon, au début, j'ai pas trop posé trop de questions, quoi. Et bon, par la suite, en se mettant un peu à la place de Monique, quoi, en bien y réfléchissant, on se dit que c'est compréhensible, quoi, et que c'est normal, quoi, du coup. Vous ne lui avez toujours pas demandé pardon? Non. Alors que vous êtes très proche aujourd'hui? Ouais. C'est fou, ça. Bah, je pense que c'est quelque chose que je ne demanderai jamais, quoi. Enfin, on en a déjà discuté. Alors ça a duré un an, pendant lesquels vous avez donc tout fait pour ne pas vous croiser. Puis en septembre 2002, l'équipe de Ça se discute vous a donc contacté. Monique, vous étiez sur le point de parler à Alexandre. En fait, ça commençait à évoluer dans votre tête. Vous sentiez qu'une explication entre vous deux était nécessaire, que ça allait vous soulager tous les deux, quoi. Je me demandais. Et j'ai dit, je veux bien essayer.
Mais j'étais très mal, très très mal dans ma peau. Je dis, je ne savais pas du tout, je ne connaissais encore pas ma réaction. C'était votre premier tête-à-tête, hein? C'était notre premier, oui. C'était notre premier. Première rencontre depuis l'accident. Ah oui, 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 oui. De visu comme ça, je l'ai vu arriver, j'ai eu les poils. Ah oui, ah oui. Vous sentiez possible une réconciliation à ce moment-là? Ah non, 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 du tout, non, non. Ah non, 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 c'était pas. Moi, je le voyais debout, je voyais François 3 mètres plus loin. Et puis, on a eu des nouvelles de vous par Eve Langlard qui nous disait que vous étiez rapprochée de ce jeune homme, que ce jeune homme était tombé dans une profonde dépression. Ah oui, oui, oui. Très, très, très mal. Et que vous avez voulu vous rapprocher de lui, essayer de mieux comprendre ce qui pouvait se passer, ce qui pouvait se tramer entre vous deux et entre vous trois aussi, si j'y inclus votre fils aussi, et d'aller plus loin. Alors, je voudrais qu'on regarde ce reportage d'abord avant de continuer à parler, parce que c'est tout à fait intéressant, les cheminements des sentiments qui se sont passés entre vous, c'est intéressant, et puis en même temps, c'est extrêmement touchant. Je veux dire, vous pouvez penser le plaisir que ça nous fait, j'imagine, à vous aussi tous les deux, de pouvoir être côte à côte aujourd'hui. C'était il y a 2 ans. Depuis, on a compris que votre relation a beaucoup évolué. Alors jusqu'où, on va le voir. En image, vous en êtes tous les deux. Et pour mieux comprendre votre parcours, on a repris donc des extraits de ce reportage qui date d'il y a 2 ans, qui compose donc la première partie de ce que vous allez voir. Et à l'époque, Monique, vous affirmiez que votre rancœur vis-à-vis d'Alexandre était pour la vie, inébranlable. Comme quoi. C'est un reportage à Don Martin Les Toules, près de Nancy, de Jean-René Chaperon et d'Eve Langlard. Monique, vous savez si Alexandre vient voir François à l'hôpital? Oui, il vient toutes les semaines. Mais moi, je fais en sorte de savoir le jour où François est Alexandre est présent, parce que moi, je veux l'intimité avec François et je n'ai absolument pas envie de croiser Alexandre. Ces images ont été tournées il y a 2 ans. François sortait de 7 mois de coma après un accident de voiture. C'est Alexandre, son meilleur ami, qui conduisait alors qu'il avait bu et qui lui s'en sortait indemne. Oui. Ça va, bon, j'attends. Et qu'est-ce que tu dis, chérie? Maman. C'est moi qui conduisais la voiture et j'aurais préféré être moi à sa place que lui. Lui n'avait rien à voir dans mon acte, tandis que moi, mon acte, j'aurais dû le payer. J'ai une haine, c'est vraiment la haine que j'avais contre ce... C'est pas vrai ce qu'il a fait à mon garçon. Salut François. Alors gros, ça va bien? Ouais. Et ben en fait, je vais aller chez toi, discuter un peu avec ta mère, face à face, de tout ce qui s'est passé avant. De l'accident qu'on a eu. Ça te fait rigoler? Ouais? Pourquoi? Tu vois, j'appréhende un petit peu, voir comment ça va se passer. Et à ton avis, toi, ça se passera bien avec ta mère, moi? T'en es sûr? C'est ce que tu crois? Hein? Hein, François, t'aimerais que je demande pardon à ta mère? Hein? Ouais, hein? Allez, t'inquiète pas, je vais essayer de le faire, hein? Essayer, ça va être dur pour moi, mais je vais essayer. Hein? Malgré la haine de Monique, pour la première fois depuis l'accident, elle acceptait de rencontrer Alexandre, alors que depuis 1 an, elle avait évité tout contact avec lui. Oui. T'as vu ton copain, François? Oui, mais j'étais le voir. Hein? Est-ce que tu lui as demandé pardon? Oui, oui. Je lui ai déjà demandé pardon. Mmh. Comment il a réagi? Je lui ai demandé, je lui ai fait, est-ce que tu m'en veux? Et directement, il m'a regardé en faisant sourire, il m'a dit non. Et là, pareil, je lui ai redemandé, il me dit non. Mais est-ce que tu comprends que moi, je t'en veuille? Ouais, oui, je comprends totalement. Je peux pas savoir ce que vous avez ressenti envers vis-à-vis de moi, mais... Ben... Mais oui, je me doute bien. Mais... C'est de la colère, de la haine. Tout à fait. Ouais, oui, non, mais je me doute bien, de toute façon. Et moi, je comprenais totalement votre réaction. De toute façon, vous m'aurez dit, on veut plus te revoir, je comprendrais très bien. Tout ce que vous pourrez me dire aujourd'hui, de toute façon, je le comprendrai. Je le prendrai sans rien dire. Mais moi, je te vois là, assis à me parler, puis je vois François. Qui... Vous demandez pardon, je peux pas. Je peux pas, de toute façon, de moi, je peux pas. C'est quelque chose que j'ai fait, je peux pas vous demander. Je sais pas si vous allez prendre ça mal, ou... mais je peux pas vous demander. Je peux pas vous demander. J'aurais pas accepté le tout. Voilà. Mes sentiments pour toi ne changeront pas. Mais ça, non, pas. Ça
ça, je comprends très bien, ça, c'est dingue. Deux ans après ce face-à-face, François a quitté l'hôpital et il est revenu vivre chez ses parents. Bonjour. Monique, tu vas bien? Et tu sais que maman va aller chercher Alexandre. Il va venir un petit peu te garder. Tu veux bien? Qui c'est Alexandre pour toi? Mon pote. Mon pote. Ah, mais je suis bien contente. À tout de suite, François. À tout de suite. Monique va donc chercher Alexandre, qui ne passe pas une semaine sans rendre visite à son copain François. Au bout de deux ou trois mois, je me suis un petit peu immiscée entre François et Alexandre, voir comment ça se passait entre eux, leur relation. Et j'ai commencé à parler avec Alexandre. Et j'ai vu qu'il n'était pas très, très bien. Alexandre a été suicidaire et très, très mal dans sa peau. J'ai voulu aider ce garçon et je crois que j'en suis fière maintenant parce que la haine a complètement disparu et Alexandre et moi, on est très proches. Au début, c'était difficile. Hein. Pour vous comme pour nous. Hein. Oui. Enfin, moi, je n'acceptais pas du tout, de toute façon. Ben, moi, non. Moi, la situation non plus, je l'acceptais pas. Hein. J'en ai voulu beaucoup. Hein. Au départ, il le sait, il l'a senti. Hein. Oui. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à votre place. Parce que moi, je vous vois d'un autre œil, quoi. Et c'est vrai qu'au départ, c'était très dur, hein, mais maintenant, je vois qu'il y a quand même de la complicité entre vous. Hein. Tout à fait. C'est peut-être, je ne sais pas si je dois le dire, quoi, mais vous êtes sa deuxième maman, pour certaines choses, parce qu'il y a des fois, il ne me confie pas tout, quoi. Et des fois, il vous dit des choses à vous qu'il ne me dit pas à moi. Hein, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et je voudrais tellement qu'il s'en sorte. C'est vrai que Alexandre, pour moi, c'est vrai que c'est pas mon garçon, mais tu fais partie intégrante. Oui. C'est comme si, en fait, on faisait un peu partie de la même famille. Quoi. Voilà. Ah oui, le seul lien qui a été créé. Et ben, on est là à pousser François. Oui, voilà. Depuis l'accident, Alexandre ne conduit plus. Son permis lui a été retiré. Il a malgré tout décidé de s'acheter une nouvelle voiture qui reste pour l'instant au garage. Bon, le problème, c'est que j'avais un peu peur de vous la montrer parce que c'était à peu près le même modèle que j'avais... Lors de l'accident. Ouais, ouais, ouais. Non, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, parce que je me dis, t'as plus ces envies de suicide Ouais, que tu as eues. Ouais. Je vois que tu progresses, que tu vas vers l'avant, t'as la voiture à payer, donc c'est... Ouais, c'est quelque chose qui... Ouais, je peux pas... du jour au lendemain, dire bon. Ça, c'est voilà. Bien, ouais. C'est un bon point. Mm. C'est motivant. Ouais, ça motive, oui. Tout à fait. Oui. Salut Hugo. Ça va? Oh, ouais. Ouais? Parce qu'au début, quand je venais, bon, bah. C'était un peu. Hein? Je savais pas trop comment qu'elle allait réagir, hein. C'était un peu chaud. Ouais. Maintenant, ça va mieux, hein. Papa et maman vont en course, d'accord? Je vais te laisser avec Alexandre. Ok. Ok. Pour Monique, Alexandre est la seule personne digne de confiance pour garder son fils. Quand elle doit s'absenter pour faire une course, c'est donc lui qui s'occupe de François. Ça me fait plaisir quand ta mère me demande de venir te garder. Comme ça, on est tous les deux, hein? Petit moment d'intimité, bien? Ouais. Ouais? Ouais. Tu peux rigoler, hein? Tu peux me parler un peu de tout. Puis bon, ça montre que ta mère me fait confiance. Moi, oui. Toi aussi, tu me fais confiance? Moi, ok. D'accord. Magnifique, alors. Il y a quelques mois, Alexandre a dû répondre de ses actes devant la justice. Soucieuse de lui éviter une sorte de double peine, Monique a écrit au juge afin de solliciter sa clémence. Touché par ce geste, Alexandre a gardé une copie de cette lettre. Voilà déjà 3 ans qu'a eu lieu l'accident et Alexandre a toujours été présent pour François. Alexandre reste très éprouvé par la faute commise, mais une sanction lourde
ne lui serait pas du tout bénéfique et aussi pour François qui l'attend. Et c'était le cœur qui parlait. Oui, oui, c'est... Et c'est pour ça que j'ai voulu garder une trace, parce que j'ai vraiment vu que c'était... que ça venait profondément, que c'était... Mmh. Ouais. Mmh. Alors ça te fait... J'ai 4 mois à faire, en fait. 4 mois à faire. Ouais. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Le regard que tu as sur François, tu l'as toutes les semaines. Je dis que la punition, tu l'as les yeux. Ouais. Allez, François, ça c'est quoi? Le... Okay. Le goûter. Je suis heureux, quoi, là, qu'on ait réussi à... Enfin, surmonter chacun de notre côté ce qui nous empêchait de parler. Ou... C'est une bonne chose, quoi. C'est un lien qui est un petit peu dur à définir, mais... en 2 ans, c'est vrai que de la haine... Ouais. On le connaît plus trop, ce mot, hein. Du tout, même. Oui. Non, c'est vrai qu'Alexandre, je t'aime beaucoup. Oui, ça, hein, je l'avais remarqué, ça. Ouais. Voilà. Et toi aussi, chérie, je t'aime. Je t'aime très fort. C'est mignon quand ils sont tous les deux. C'est mignon quand ils sont tous les deux, non? Oui, ouais. Très. Ça vous touche beaucoup? Oui. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que vous retirez de tout ça, tout ce que vous avez vécu? Du bonheur. Traversé tous les deux. Du bonheur? Là, de les voir comme ça, de voir mon François. De le voir par rapport à 2 ans, j'ai oublié, mais il a un petit peu forci quand même. Mmh. Il a un très bon coup de fourchette. Non? Est-ce qu'il regarde l'émission? Il va regarder l'émission. Et on la regardera ensemble, après, on lui a dit... Eh ben. Mmh. Alexandre, Monique raconte qu'un an après l'accident, vous êtes passé par une longue période de dépression. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Bah, c'est un peu des moments noirs, quoi, parce qu'on se dit, bon, bah, vu ce qui nous est arrivé, on n'a plus trop d'espoir pour le futur, quoi. On se dit qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose. Enfin, il y a toujours cette... Qu'est-ce qui vous empêchait de penser que vous pourriez vous construire? Bah, la culpabilité, en fait, je pense. La culpabilité. Ouais. Pourquoi vous êtes tourné vers Monique à ce moment-là? Bah, en fait, quand j'allais rendre visite à François, bon, par un moment, enfin, au début, c'était, j'allais voir François et bon, après, je sortais, il n'y avait pas de discussion, quoi. Et tout, enfin, normalement, en fait, Monique a commencé à venir vers moi, à parler. Et, bon, après, on a tout de suite vu que le dialogue se passait bien. Et c'est de là que ça a commencé. Ouais. Pourtant, à l'époque, vous disiez que vous étiez totalement insensible à la douleur d'Alexandre. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que vous ayez de la compassion pour lui? C'est vrai, comme dit Alexandre, jamais je n'allais voir Alexandre rentrer, il disait au revoir. Et après, je me suis initiée un petit peu avec eux, j'allais voir, j'allais écouter, puis je commençais à... Puis je voyais ce regard d'Alexandre qui était... Pour son pote. C'était dur. Vous êtes rendu compte qu'il était dépressif à ce moment-là? Oui. Et vous avez dit qu'il fallait l'aider? Et oui, moi je disais que François était cassé, pourquoi en casser un deuxième? Je dis... Alors comment vous l'avez encouragé, essayer de l'aider, essayer de refaire surface? Bah, je lui dis... N'importe ce que tu fais, le suicide c'est une fuite. Parce que Alexandre a été suicidaire. Et je lui dis, c'est la fuite, c'est facile, tu casses tout le monde, tu casses ta famille, tes parents... tu prives François, je suis un petit peu égoïste, mais tu prives François de... Parce qu'il faut se dire, au départ, beaucoup de copains venaient voir François. Et depuis longtemps, il n'y a plus qu'Alexandre. Et Alexandre fait le lien François et l'extérieur. C'est vrai que François a besoin d'Alexandre. Alexandre, alors que vous aviez plus envie de vivre, le fait que ce soit celle qui vous haïssait le plus, qui vous donnait des mots de réconfort, quoi, et qui vous tournait vers la vie, ça a dû être bizarre pour vous, ça.
Et à la fois très réconfortant. Ouais, très réconfortant, puisque au départ, on se dit, bon, la personne-là, bon, bah, pour elle, je suis sa bête noire, en fait. Ouais. Bah, un petit peu dans un sens. Et bon, quand cette personne arrive et vous réconforte, vous remonte le moral, ça... C'était fort. Ça booste un petit coup. Alors, on le rappelait dans le sujet, lors de votre premier jugement, vous avez été condamné à 10 mois de prison ferme, puis il y a eu cette lettre de Monique, qu'on a entendue pour partie dans ce reportage. Elle a joué un rôle dans votre réduction de peine ? Je pense, ouais. Vous êtes passé donc de 10 mois de prison ferme à 3 mois de semi-liberté. Oui, voilà, ouais. Ouais, enfin, c'est mieux. Ouais. Vous arrivez de relire régulièrement cette lettre ? Oui. Vous en avez gardé une copie ? Oui, bah, j'ai eu la lettre avant de la redonner au juge. En fait, j'ai fait une photocopie que je garde précieusement. Vous faites partie de la même famille maintenant, ce que vous dites dans le reportage, quoi, pratiquement. Oui. Vous avez un lien familial, oui. Ouais. C'est fou quand on voit d'où. Qu'est-ce qui a rendu possible une telle évolution ? On ne peut pas vivre avec la haine, moi, je crois. Moi, je voyais Alexandre, je lui dis, on ne va pas être chien et chat, il rentre. Je voyais cette complicité déjà avec François, tu l'avais, cette complicité avec François. Et ben, j'allais écouter un petit peu ce qu'il se racontait. Belle histoire. C'est très beau ce que vous nous montrez comme exemple d'humanité. On ne peut pas vivre avec la haine, c'est ce que vous disiez. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. Est-ce qu'on peut s'épanouir avec la haine ? Personne n'a la haine ici. Non. Tout le monde a connu la haine, mais personne ne la conserve aujourd'hui. Muriel, on ne peut pas vivre avec la haine, vous le pensez aussi ? La haine profonde, je ne sais pas ce que c'est. Vous n'avez jamais ressenti de la haine pour vos parents ? En surface. Et jamais pour personne ? Non. Je ne peux pas. Monique et Alexandre n'en reviennent toujours pas d'une autre manière d'être là où ils en sont aujourd'hui par rapport à la situation qu'on a connue il y a seulement 2 ans. Est-ce que parfois vous êtes vous-même étonné de pouvoir discuter avec votre père ? Ah oui. Oui, parce que j'avais beau me dire au fond de moi que quelque part, on peut reconnaître ce qu'on a fait, mais bon, tout dépend de l'acte, mais avec ses parents, c'est puissant quand même. Donc votre père a commencé à abuser sexuellement de vous alors que vous aviez 11 ans ? Une jeune fille. Ben, disons que sa première tentative, oui, j'avais 11 ans. Vous aviez conscience que c'était pas bien ce qu'il faisait ? Intuitivement, mais pas. Je pouvais pas mettre des mots dessus, j'étais trop jeune, mais. Intuitivement. Ça dure jusqu'à quel âge ? 17 ans. Entre-temps, vous avez trouvé quelqu'un à qui vous confiez, parler de ce qui vous arrivait ? Une fois, j'ai fait la tentative. Ben, j'étais en cheval entre mes 11 ans et 12 ans. Et. La réaction a été tellement terrible que ça m'a coupé l'envie d'ensuite de parler, quoi. Quelle réaction ? Bah, c'est... Mon père l'a appris. Je dirais que si ma mère n'avait pas été là, je serais morte aujourd'hui, quoi. Tellement il vous a frappé ? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ça devait être tellement dur pour lui à entendre ses propres actes. Il avait peut-être voulu les refouler à ce moment-là. Bon, et c'est plus facile de faire passer un enfant pour un menteur qu'un adulte, hein, donc... et il m'a fait... il m'a fait énormément peur ce jour-là, donc c'est comme si j'avais... De ce jour-là, j'ai plus eu de cerveau, j'ai plus eu de langue, j'ai plus rien eu, quoi. Plus de cerveau ? Non. Interdit de penser, interdit de parler, quoi. Interdit d'avoir ses propres réflexions. Vous êtes interdit, ça, à quel âge ? Ben, je sais pas si c'est moi qui me le suis interdit ou si j'ai senti cette ambiance-là dans ma maison. Je veux dire, c'était l'enfant... Il y avait des enfants, mais l'enfant n'avait pas droit à la parole, il n'était pas... À la considération. Oui. Mais je veux dire, ça vient pas seulement de mes parents, je pense que c'est la génération de mes parents, puis ceux d'avant, et qu'ils n'avaient pas conscience de ce que ça pouvait être un enfant, quoi, de l'impact que ça pouvait avoir. On ne peut pas dire non plus que dans cette génération, tout le monde abusait de ses enfants. Non, bien sûr. Loin de là. Il y a eu des abus, mais je veux dire, le viol, il n'est pas simplement physique. Parfois, il est moral. Parfois, il est simplement émotionnel. Il peut être à plein de degrés. Donc, mais vous avez l'impression que vous êtes en train d'essayer de limiter ce qui s'est passé, quoi, je ne limite pas. Je me dis que ces actes-là, c'est vrai qu'ils sont monstrueux, c'est clair. C'est vous et vos sœurs, en plus. Hein. Oui. Ouais. Mais bon, je ne parle pas de mes sœurs, parce que je ne suis pas à la place de mes sœurs. Non, bien sûr. Mais genre, c'est arrivé dans toute la famille, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous ressentiez pour votre père entre 12, 13 et jusqu'à 17 ans ? Je n'avais pas de pensée. Je n'avais pas de sentiment. Pas de sentiment, pas d'amour, pas de haine ? Non, j'avais rien. Je ressentais rien. Et vis-à-vis de votre mère, qui d'une certaine manière était complice, puisqu'elle ne vous protégeait pas, quoi ? Pas de haine non plus ? Non, j'en avais pas. Vous n'en avez jamais parlé avec elle depuis ? Aujourd'hui ?
J'y vais tout doucement. Oui. Mais est-ce qu'il était possible à l'époque qu'elle ne sache pas? Non. Difficile, en tout cas. Oui. Ouais. À 17 ans, vous avez décidé, Muriel, de porter plainte contre votre père à une époque où, pourtant, votre calvaire prenait fin. Pour quelle raison, à ce moment-là, vous avez décidé de porter plainte? C'est pas que j'avais une idée de porter plainte dans ma tête. Non. Je savais pas ce que ça voulait dire, d'abord. Parce non. que dans le contexte familial, je veux dire, on était complètement naïfs sur ce qui pouvait se passer à l'extérieur. Donc, porter plainte, ça voulait rien dire pour moi. Par contre, d'en parler pour essayer qu'on sorte d'ici, oui. Bon, la personne à qui j'en ai parlé, la seule possibilité pour elle, c'était le juge des enfants. Donc, oui, j'ai été voir le juge des enfants. Mais sans penser aux conséquences, sans penser à... pour moi, il fallait que ça s'arrête parce que c'est vrai, je ne pouvais plus vivre là-dedans. Je savais que c'était un truc qui m'étouffait, qui me... Pendant 6 ans, oui, j'ai eu des envies de suicide, j'avais envie de m'en aller de chez moi, mais j'avais peur de faire tout ça parce que j'avais peur de la réaction de mes parents. L'impression que vous regrettez presque aujourd'hui de vous culpabiliser, d'avoir porté plainte auprès du juge. Non, parce que aujourd'hui, pour moi, la dame qui est avec Alexandre a dit quelque chose de vrai tout à l'heure. Elle disait pourquoi en rajouter alors que de toute façon, la punition, il l'a tous les jours devant lui. Mes parents, aujourd'hui, je dirais, quelque part, j'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, ils auraient ce qu'ils avaient semé, ils allaient récolter ce qu'ils avaient semé, sans pouvoir mettre des mots, sans... Et au fil des années, j'ai gardé cette idée en moi. Et quand je suis retournée les voir, il y a 2 ans, j'ai été confirmée dans ce que j'avais ressenti, quoi. Qu'il le payait, quoi. Oui. Donc il y a 2 ans, là, vous avez fait 15 ans d'ellipse, hein, donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour cette période. Vous avez d'abord retiré votre plainte, pourquoi? Quand je suis réellement partie de chez moi, il y a un fardeau qui s'est enlevé de mes épaules. Et pour moi, plus rien ne pouvait me toucher. Ils avaient plus cette emprise sur moi, donc il n'y avait pas... Et puis, je n'avais pas conscience que cette vie-là allait avoir des séquelles. Je ne savais pas que j'avais des séquelles. Je ne savais pas qu'il allait avoir des conséquences à tout ça. Et je me disais, bon, c'est fini, c'est terminé. Moi, j'étais plus là au milieu, donc... Et puis à 26 ans, vous dites que votre passé vous a rattrapé? Oh, ben, il m'a sauté à la tronche, oui, ça c'est clair. C'est... Comment? J'ai eu le malheur d'avoir un homme à qui j'ai fait un enfant, dont je suis restée 3 ans avec lui, et je me suis séparée par la suite parce que ça n'allait pas, et qui lui a commis les mêmes actes. Sur mon fils, mais, je veux dire, on n'habitait pas ensemble, et... Et quand mon fils m'en a parlé, ben ouais, le ciel m'est tombé sur la tête, quoi. Parce que vous n'aviez rien vu? J'ai absolument rien vu. Et pourtant, en y réfléchissant bien, et puis avec le recul que j'ai aujourd'hui, il m'a donné plein de signes, mais je ne voyais rien, quoi. À quel âge il vous l'a dit? Il avait 8 ans. Et comment il vous l'a dit? Avec ses mots à lui, en disant qu'il avait quelque chose à me dire, et que son père lui faisait des choses qui n'étaient pas normales. Et ben, j'ai cru mon fils, quoi. Je l'ai cru tout de suite. Ah, c'était le passé qui revient d'un coup, d'un seul. Vous êtes entré en thérapie. Qu'est-ce que cette thérapie vous a fait découvrir sur ce que vous aviez enterré? Elle m'a fait découvrir tout un monde émotionnel, tout un monde de sentiments, tout un monde que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. Et en découvrant ce sentiment, vous avez peut-être découvert la haine, qui est un sentiment? Pas la haine, je dirais que c'est de la colère. Je ne peux pas appeler ça de la haine. Je ne peux pas appeler ça de la haine. C'est de la colère que j'avais. Je me disais, comment un parent peut être aussi aveugle et faire autant de mal à des enfants? Je me posais cette question-là, quoi. Et comment moi, en tant que mère, bon, j'avais eu mon enfant jeune, je veux dire, mais... Comment vous n'avez rien vu? Comment le schéma a pu être reproduit sans que vous en rendiez compte? Exactement, exactement. Ouais. Donc, ma démarche en thérapie, c'était de vouloir comprendre pourquoi moi, j'avais rien vu et comprendre pourquoi mes parents en étaient arrivés là. Alors, c'est tous ces sentiments un peu confus qui sortent dans une thérapie, parfois en désordre. Vous avez détesté vos parents, vous avez eu d'eczéma, vous avez vous leur en vouliez de ne pas vous avoir donné d'amour. Et en même temps, ils vous manquaient, vous aviez déjà envie de les voir? Oui. J'ai fait une tentative quand j'ai eu 19 ans. Donc j'avais appelé ma mère et j'ai senti qu'elle n'était pas prête du tout. Donc, Et 15 ans sont passés, c'était il y a un an. Pourquoi vous avez décidé décidé de revenir vers vos parents? Ben, ma grande sœur m'a appelée parce qu'elle savait qu'il n'y avait que moi qui pouvais faire passer un message par rapport à une de mes sœurs.
Elle m'a appelé en me disant... je pense que papa, il va mourir, il vous appelle. Et je dirais que j'attendais ça depuis longtemps, oui. Tant que j'ai fait la démarche, j'y suis allée. Comment s'est passée la trouvaille? Ah, ben j'ai vu mon père sur le lit d'hôpital, je veux dire, ça a été dur, hein, ça a été un choc aussi, hein, parce que ça... Avec la thérapie, avec toutes ces années de réflexion, parce que j'étais prof, c'était loin ma réflexion, et que je me suis aperçue que finalement, oui, quand on fait vraiment du mal dans la vie, vraiment, on fait vraiment du mal, hein, qu'on se le nie, la maladie, elle attaque quelque part, quoi, elle ronge, et ça m'a prouvé que... Il était bouffé de l'intérieur? Oui, et ça, je pouvais pas lui en faire plus, quoi, je veux dire. Et vous avez essayé d'entrer en contact avec eux, enfin, je veux dire, pas simplement un contact de surface, quoi, essayer de vous dire des choses? Oui. Oui, je lui ai pris la main, je lui ai dit, je reviens parce que je ne peux pas me permettre de te juger, je ne peux pas me permettre de t'en vouloir. C'était clair, là. Ouais, je peux pas. Je pouvais pas. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Bah, ses larmes ont coulé parce qu'il y croyait pas que je pouvais penser une chose pareille, quoi. Il vous a demandé pardon? Oui. De cette manière, il a reconnu les faits? Oui. En les disant ou en les laissant entendre? Bah, le fait qu'ils disent cet homme n'a jamais fait de prison, hein, je précise. Hein. Il n'a jamais été jugé, en fait. Si, il a fait un peu de prison provisoire, mais... Oui. Oui. Pas de plainte, pas de jugement. La prison, elle est dans sa tête. Et, il est emprisonné depuis des années. Il est emprisonné dans son esprit. Il est emprisonné dans son corps aujourd'hui parce que je dirais qu'il n'a plus ses capacités physiques non plus. Il a ses capacités intellectuelles, mais... Ça permet de discuter, ça? Oui. Vous discutez? Oui. Oui, et je suis contente de pouvoir discuter de ça avec eux, quoi. Ça vous apporte quoi? Ça me prouve tout ce que j'ai pu analyser ces dernières années. Je veux dire, un être humain n'est pas fait que de démons. Qui ont fait subir le pire, quoi. Même ceux-là. Oui, on peut creuser dans l'être humain. Il y a quelque chose de bon dans tout être humain, dans son cœur. Il y a des trésors. La personne qui ne veut pas aller au fond, elle ne les trouvera pas, bien sûr. Il verra que les démons, mais... C'est quand même très grave ce qui vous est arrivé. Non, mais je veux dire, en même temps, c'est très beau que vous... Il y a plus grave pour moi dans la vie encore. Il y a plus grave, encore plus grave que ça. Non, c'est toujours plus grave. C'est toujours plus grave, c'est pas un concours, vous dites? Non, je dis c'est la loi du sang aussi. Sans père. Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Même que ça soit terrible. C'est terrible. Et avec votre mère, vous en avez parlé? Vous en parlez? J'irais que j'en parle plus facilement avec mon père qu'avec ma mère. Pensez que votre mère s'en veut plus encore que votre père? Oh oui, je crois que oui. Je pense que si vraiment mes parents se rendaient compte à quel point ça a fait mal, je crois que ça les ferait mourir. C'est ce que c'est terrible. Oui, Yann. Oui, je voulais demander à Muriel si elle pouvait encore aujourd'hui faire confiance à un homme. Ah, ça, c'est tout un travail que je suis en train de faire. Parce que c'est l'homme, mais c'est l'être humain. Même à une personne, j'ai envie de dire, parce qu'avec sa maman, oui. C'est faire confiance à l'être humain, homme ou femme. Alors les seules personnes à qui je fais confiance, c'est aux enfants. Qu'est-ce que vous répondez à la question qu'on pose ce soir? Est-ce qu'on peut s'aimer après s'être trahi? Vous avez pardonné, vous? Oui, bien sûr. Ah oui? Oui, j'ai pardonné parce que... Je ne peux pas concevoir de finir ma vie sans avoir revu mes parents, sans avoir essayé de comprendre pourquoi et... Pour vous, pour eux, principalement? Je crois que c'est pour les deux. Vous pensez qu'on peut s'épanouir loin de ses parents? Enfin, je veux dire, dans la haine de ses parents, ou est-ce que c'est pas possible pour un enfant? S'épanouir avec de la haine? Non, j'y crois pas un instant. Madame Benoît, venez nous rejoindre pour discuter sur ce point. Allez, s'il vous plaît. Monsieur jeune homme, s'il vous plaît. Oui, la question, peut-on s'aimer après s'être trahi? En tout cas, pour vous, Benoît, la réponse est non. Vous avez 22 ans, Benoît. Ça fait un an et demi que vous avez coupé les ponts avec votre mère et vous dites que c'est définitif, autant qu'on puisse le dire, quand on est aussi jeune. Pourquoi définitif? C'est assez définitif dans la mesure où... Assez définitif. Assez définitif dans la mesure où on a dû couper les ponts au bout d'un moment, en fait. Donc, je n'ai plus de relation avec... Vous avez coupé les ponts? Non, c'est elle. C'est elle qui a commencé et c'est moi qui ai continué. C'est définitif pour vous? C'est assez définitif, oui. Mais assez définitif, ça veut rien dire. C'est définitif dans la mesure où il faudrait que je lui pardonne. Et je ne pourrais pas lui pardonner, puisqu'en l'état des choses, effectivement, elle n'est pas dans un état où je Donc ce n'est pas définitif, alors? Si, ça l'est assez, parce qu'elle ne changera jamais, donc...
Vous l'avez dit à votre maman que, c'était, que la séparation était définitive ? Elle le sait, oui. Elle le sait comment ? Ben, elle le sait dans la mesure où je ne donne pas de mes nouvelles. Je me cache assez d'elle, d'ailleurs. Bon, là, c'est manqué pour ce soir. Et comment vous pensez à elle aujourd'hui ? Je ne pense pas à elle. C'est de l'indifférence que j'ai pour elle. C'est pas de la haine ? J'ai passé ce cap de la haine. Parce qu'au bout d'un moment, c'est épuisant de toujours penser à cette personne, de devoir aller... Non, je ne peux plus me permettre justement de lui donner de mon temps et même de mon esprit. Donc du coup, c'est de l'indifférence. Et pourtant, en préparant cette émission, vous nous avez dit avoir le cœur qui palpite quand vous avez un appel au bureau avant de savoir qui est au téléphone en vous disant que c'est peut-être votre mère. Est-ce que ce n'est pas la preuve que peut-être la haine et l'amour sont deux sentiments très liés ? C'est vrai que d'un côté, quand on m'appelle comme ça, je me dis est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle ? Mais je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est... c'est assez étrange, ouais. Je me dis est-ce que c'est la fin ? Ça y est, elle va... Ça y est, elle va disparaître en fin de ma vie, parce que c'est vrai que ce coup de fil, c'est uniquement pour sa mort, quoi, autant le dire. Si j'ai ce coup de fil, c'est pas pour qu'elle me dise « excuse-moi pour tout ce que j'ai fait, machin et tout ». C'est certain, ce sera uniquement un coup de fil de ma famille pour m'avertir de sa disparition. Parce qu'elle est malade, elle est malade alcoolique, c'est aussi pour cette raison qu'elle est en danger physiquement, c'est pour cette raison que vous lui en voulez énormément. C'est pour cette raison que vous vous êtes séparé définitivement, dites-vous, assez définitivement de votre mère. C'est un choix raisonné ou c'est un choix impulsif ? C'est un choix raisonné dans la mesure où j'étais obligé de me protéger de cette personne. Depuis quand est-elle malade alcoolique ? On va dire depuis son adolescence, quoi, depuis toujours. Quoi. Donc pour vous, depuis toujours. Oui. Ouais. Quel regard vous portiez sur votre maman qui buvait quand vous étiez vous-même ado ? En étant adolescent, on essaye de pardonner à ses parents, du moins, on essaye de pardonner à sa mère, on fait tout en sorte de cacher plus ou moins la vérité, parce que c'est vrai qu'on a plus ou moins vécu dans le mensonge, même entre moi et mon frère, on ne s'est jamais dit qu'elle était vraiment alcoolique. Et puis, moi, j'essayais un maximum de ne pas la juger. Ouais. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez été trop conciliant pendant toutes ces années qu'aujourd'hui, il y a la soupape qui explose ? En fait, dans cette histoire, j'ai été trahi. Très franchement, j'ai été trahi parce qu'elle a suivi une cure... Et toute notre famille, on avait mis en œuvre vraiment tout fait. Elle avait vraiment toutes les cartes en main pour réussir justement sa cure de désintoxication. Et elle a rechuté amèrement, donc ça a été une défaite pour tout le monde et pour elle d'ailleurs. Amèrement, ça veut dire rapidement ? Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'était un gros, gros choc pour vous, ça, visiblement. Ouais. Et puis bah, après, il y a eu... Il y a eu la rupture, c'est-à-dire qu'il fallait que je n'existe plus. De toute façon, un alcoolique qui choisit la bouteille à vous, je veux dire, vous ne devez plus exister, quoi. Vous perdez confiance en vous. Oui. Donc c'est normal qu'on n'existe plus. J'ai reçu sur ce plateau un père qui disait que c'était horrible pour lui de considérer la chose, effectivement, de s'apercevoir qu'il préférait parfois l'alcool à ses enfants. Oui, je l'ai vu. Et pourtant, ça fait quelques mois qu'il ne boit plus du tout et que ça se passe très bien. Je le salue, ouais. J'aimerais que beaucoup de gens en fassent autant. Ouais. Parce qu'effectivement, nous, on est aussi victimes que les malades. Quoi. L'entourage est aussi victime. Donc voilà. Quoi. Vous avez 22 ans, c'est un tout jeune homme, et pourtant vous êtes déjà parti il y a un an et demi du domicile familial. Ouais. Comme ça, du jour au lendemain ? Ouais, je me suis retrouvé à la rue, j'ai été aidé à droite et à gauche. Maintenant, j'ai un emploi, j'ai un appartement, donc tout va bien. Quoi. Vous ne l'avez pas revu depuis ? Si, je l'ai revu à des réunions familiales. Hélas, on ne m'a pas prévenu qu'elle était là. Donc maintenant, je demande quand elle est là. Et effectivement, je ne supporte pas de la savoir. Parce qu'on fait effectivement... J'ai conceptualisé en fait son existence. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus pour moi. Cette personne n'existe plus. Elle n'a plus la qualité de mère. Vous l'avez mais dit. Effectivement, elle est toujours là physiquement. Donc, mais vous l'avez dit. Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute... dans la mesure où effectivement, tu es alcoolique et tu risques de nous mettre tous en danger... effectivement, je préfère que tu m'oublies, quoi. Je n'existe plus, quoi. J'ai plus envie d'exister à ses yeux. Tu n'existes plus pour elle. Ouais. Et quoi consistait l'alcoolisme ? En quoi consiste l'alcoolisme de votre mère, Benoît, pour qu'il vous atteigne à ce point ? Vous voulez savoir les raisons de son alcoolisme ? Non. Comment ça se manifeste dans la vie quotidienne ? En quoi ça détruit la vie quotidienne ? En quoi ça la met en danger ? Si vous voulez... Simplement une attitude morale de votre part, c'est bien plus que ça. Quoi. Oui, mais déjà, si vous voulez, elle se met dans des situations financières très dangereuses. Ouais. Donc, effectivement, quand on est obligé d'assumer ses factures à droite et à gauche, quand on a 16 ans, qu'on a ses études, et puis qu'on a en plus un travail, et qu'on doit essayer plus ou moins d'arrondir les angles et de montrer qu'effectivement tout va bien chez vous... Au bout d'un moment, à 20 ans, quand on vous prend dans la gueule, écoute, si j'avais le choix, que tu n'existes pas, effectivement, tu n'existerais pas.
bon, bah, on comprend et on se barre, quoi. Et puis, et on se protège, justement. C'est aussi parce que vous avez été vraiment très proche d'elle, vous l'avez vraiment protégée, elle, pendant des années, qu'aujourd'hui ça sort comme ça aussi, sans doute, quoi. Tant qu'il y a de la haine, il y a de l'amour, c'est ce qu'on pense, souvent. Tout à fait, ouais. Il y a de la haine. Je rentre dans ce concept, justement, d'indifférence, parce que je sais que l'indifférence est l'arme absolue pour faire plus mal à son prochain que la haine. Oui, c'est une démarche de haine, alors, puisque vous l'avez choisie. La différence, ça ne se choisit pas, la vraie. Là, vous l'avez choisie. Je l'ai choisie, oui, mais un jour viendra, je serai vraiment indifférent. Ah, pas sûr. Pas sûr, pour l'instant, on c'est se rappelle. Oui, pas sûr, pour l'instant, pour vous, c'est une façon de pouvoir vous construire en paix, quoi, c'est ça? Oui. Muriel expliquait tout à l'heure qu'elle avait coupé les ponts dans 15 ans avec, avec ses parents, vous avez écouté son témoignage, avant de se rendre compte qu'elle avait absolument besoin d'eux, malgré tout ce qu'elle avait subi. Et vous dites qu'un jour, peut-être, vous risquez d'être rattrapé par, par quelque chose qui vous rapproche à nouveau d'elle? Bah oui, soit effectivement sa guérison, soit effectivement sa fin, quoi. C'est la seule chose qui va nous rapprocher, je vois pas... Je vois vraiment pas, parce que même si moi j'avais un enfant ou si mon frère avait un enfant, quoi, pour mon frère c'est différent. Mais pour moi, si j'avais un enfant, c'est clair net qu'il ne connaîtra pas sa grand-mère, quoi. Pourquoi pour votre frère c'est différent? Parce que mon frère, effectivement, lui, il a pas, il s'est pas fait rejeter, quoi. Donc forcément, c'est différent et c'est le seul lien en fait entre nous deux. Pour vous, elle vous a rejeté? Ouais, tout à fait. Ouais. Muriel, je vous sens bouillir. Oh non, je... Qu'est-ce qui vous explique? Mais c'est vrai que vous êtes formidable, je ne sais pas comment vous avez fait, parce que, comme elle le disait, c'est bien, ça dépend de ce qu'on a vécu, et là, je me demande comment vous avez pu pardonner, parce que moi, c'est vraiment, si je puis me permettre, un tout petit problème qu'on pouvait régler, mais ouais, pour vous, c'est vraiment grand ce que vous avez fait, quoi, parce que pardonner ses parents, c'est pas rien. Là, franchement, je vous admire, hein. Moi, je ne pourrais pas, hein. Je pourrais vraiment pas. Je peux pas l'excuser de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle m'a envoyé, le fait que je dois pas exister, quoi. Et Benoît, vous n'avez pas le sentiment que vous pourriez l'aider, votre mère? Je l'ai déjà aidée. Ah oui, je l'ai déjà aidée, et justement, au moment où on allait recommencer, justement, parce que quand elle rechute, on voulait effectivement l'aider à nouveau. Et donc là, elle ne voulait pas, donc il fallait, quoi, pour elle, il fallait m'écarter de sa vie, et je me suis écarté de sa vie, donc... Muriel, qu'est-ce que vous avez? Quelles idées vous traversent la tête, là? Je te comprends. Je pense qu'il a... Enfin, pour moi, il a... Sa démarche, elle est tout à fait normale, je veux dire... oui, il a essayé de donner son amour à sa mère ne le recevait pas parce qu'elle était complètement dans son trip. Et quand on est dans le trip de l'alcool, on n'a pas conscience des émotions, des sentiments. Et l'enfant, il essaye de bousculer son parent pour se faire aimer et il n'y arrive pas. Donc l'enfant commence à grandir et il nourrit une colère contre son parent. Et c'est tout à fait logique. Cela dit, quand tu vas prendre de l'âge, quand tu vas mûrir, je me dis, tu seras peut-être pas aussi dur dans tes paroles, non? Non. Peut-être qu'il sera trop tard, en tout cas, aussi. En fait, si je puis me permettre, effectivement, dans chaque histoire qu'on a pu voir aujourd'hui, du moins ce soir, effectivement, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui fait... C'est le point clé de la réunion, en fait. À quel moment on essaie de bousculer ses parents pour qu'ils vous aiment plus? Je pense que vous vous retrouvez aussi dans ce témoignage-là. Essayer de bousculer en disant « Maman, je suis là, je suis ton enfant. » Mais je le trouve très dur par rapport à sa mère. Mais c'est parce que j'ai eu aussi une éducation qui n'était pas tout à fait tendre. Donc c'est pour ça aussi que ce soir, je me permets de parler ainsi et de bouleverser un peu les choses. Et votre mère est très courageuse hein, d'affronter comme ça ce soir tout le monde, parce que c'est vrai que vous l'avez un petit peu abandonnée, votre fille. Et vous revenez, et apparemment, il y avait une lettre et... Ouais, ça s'est pas très bien passé. On va voir ça dans son reportage dans un instant. On continue à en dialoguer. Donc Anne-Christine et Sophie sont deux sœurs. Anne-Christine, la sœur aînée, 30 ans. Oui. Anne-Christine, pardon, Sophie, 26 ans. Ma mère rajeunit, c'est bien. Ah bon? Très bien, d'accord. Avant que... Vous avez quel âge? 33. Avant que votre sœur Sophie vous encourage à reprendre contact donc, avec votre maman qui est là, toute sage, toute droite, avec son micro dans sa bouche, est-ce que vous aviez, comme Benoît, décidé de l'oublier? Il y a eu une période comme ça, oui, où j'ai dit, bah, ma mère, c'est fini. Je ne veux plus en entendre parler également. Oui, j'ai eu cette période. Ça vous évoque quoi, ça, madame? Ça me faisait très mal. Et pourtant, vous n'êtes pas très expansive, vous ne parliez pas beaucoup, vous?
Vous n'arriviez pas à dire que vous aviez des sentiments pour votre fille aînée? Si, j'ai eu toujours des gros sentiments pour ma fille. Seulement, moi, j'essayais toujours de la contacter pour plusieurs moyens. Mais c'est elle qui ne voulait pas nous contacter. Mais bon, elle avait ses raisons. Elle avait ses raisons. D'après ce que je connais de l'histoire, je trouve que vous voulez retourner un peu l'histoire, là. On va regarder ce reportage, peut-être pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Sophie, c'est donc vous qui avez fait l'intermédiaire pour tenter de réconcilier. Donc après 6 ans de séparation, c'est beaucoup, c'est pas autant que 15, mais c'est quand même toute une vie. Une petite vie, Anne-Christine, votre sœur aînée et votre mère. Pourquoi était-ce si important pour vous de les réconcilier toutes les deux, quoi? Vous pensez qu'il y avait quelque chose qui avait été loupé, qui était encore possible? Ah oui, oui, parce que moi j'ai été témoin, je suis née dans cette mauvaise entente entre elles et j'arrivais pas à comprendre... Parce que moi, je connaissais ma mère, je voyais très bien qu'elle était capable d'amour. Je connaissais un petit peu ma sœur et je voyais aussi qu'elle était capable d'amour. Donc, il m'a fallu énormément d'années pour réaliser que toutes les deux, ça pouvait coller, quoi. Et... Je pense que les images nous permettront de mieux comprendre ce climat familial assez complexe. Votre maman a refusé de participer au tournage, mais hier, donc, vous avez contacté Mme Lauriane Chouraki, notre équipe, pour lui dire que vous souhaitiez venir témoigner ce soir. Vous êtes installée ici, maintenant. Je propose, madame, d'abord de regarder ce reportage et puis ensuite d'entamer cette discussion qui restait bien silencieuse pendant si longtemps. C'est un reportage de Lauriane et de Mohamed Mahmoudi. Toi, quand tu es née, en fait, c'était tellement un bonheur immense. C'est presque inexplicable par des mots. Et du coup, c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait plein de petites choses que je n'avais pas reçues de ma mère. Ouais. C'est là que je me suis rendue compte vraiment que c'était pas normal et c'était pas des relations de mère et fille, quoi. J'ai pas reçu ça de ma mère, tu vois, tout ce qui est sentiments, affection, câlins, tout ça. Donc du coup, j'ai envie d'en faire beaucoup avec toi parfois, tu vois? Ouais. Tu le comprends, ça? Un peu, ouais. Un peu? Ça va plaire pas? Les meilleurs ennemis du monde, voilà ce que nous sommes. Là, bon, il y a tout plein de mots qui, en fait, résument très bien la relation avec ma mère. Hein. Elle est... Il y a un sentiment de haine, mais l'amour est quand même là, malgré tout. Donc c'est très, très ambigu et très difficile de faire vraiment la part des choses. Depuis son enfance, Anne-Christine souffre de ne pas avoir été aimée par sa mère. Elle s'est toujours sentie rejetée et délaissée pour une raison qui lui échappe encore aujourd'hui. C'est un cauchemar, quoi, ce que je vis. C'est comment ma mère ne peut pas m'aimer. Voilà. Comment peut-on arriver à en avoir ce sentiment-là de haine par rapport à sa mère? Si Anne-Christine dit ne jamais avoir reçu d'amour maternel, sa sœur cadette Sophie n'a pas été confrontée à ce manque d'affection. Ce genre de photo, t'as pas, quoi, maman? Non, du tout. Toute souriante, toute affective avec moi, étant bébé... Bah non, la preuve, elle est toute... Bah, je suis toute seule, quoi. Ouais, c'est chez le photographe, quoi. C'est... Oui. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce genre de photo de proximité de moi et maman? Est-ce que tu m'envies? En fait, oui, oui, que... forcément, oui. Y a de la jalousie, il y a... Parce que, bah... J'avais la haine en moi, de la rage. Tu voulais te venger, tu voulais... Ah oui, j'en pouvais... Ah ben, je voulais en finir. Hein. Comment t'expliques ça, quoi? Comment s'en est arrivé là? Tu t'es posé la question? Oui, je me suis posé la question, mais en fait, j'ai pas de réponse, quoi. C'est ça le pire. Espères toujours quelque part que ça change un peu? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est jamais trop tard, quoi, mais... Je ne comprends pas l'attitude de ma mère par rapport à ma sœur. J'essaye de combler comme je peux le manque d'amour qu'elle n'a pas eu de ma mère. J'essaye, quoi, de lui dire « ta mère t'aime », c'est moi qui lui dis ça. Mais bon, sans savoir vraiment si c'est vrai ou pas.
Je n'ai rien de ma mère. Et la seule chose éventuellement qu'elle aurait pu me donner, ben voilà, c'est une alliance. Donc c'est l'alliance de ma grand-mère. Donc la personne qui m'a élevée et que je considère donc comme ma mère. Et cette chose, cette alliance, en fait, elle ne me l'a même pas donnée à moi. Elle l'a donnée à ma sœur. Une fois de plus, je comprends pas cette réaction-là. C'est de l'injustice aussi, quelque part. Je compte pas pour elle, quoi. J'ai l'impression d'être là, mais de ne pas tenir ce rôle de fille. Je suis là, mais voilà, c'est tout, sans plus. 30 années de rancœur sont difficiles à effacer. Malgré tout, Anne-Christine veut renouer avec sa mère. La communication entre elles est compliquée. Elle n'est pas capable de parler seule à seule avec sa maman. Elle a donc décidé, avec l'aide de sa sœur, de lui écrire une lettre qu'elles lui remettront en main propre. Ce que je veux te dire, c'est que mettons toute cette haine de côté et essayons enfin de nous aimer. Là, moi, je me dévoile et je ne sais pas s'il va y avoir du retour. Donc, voilà. C'est peut-être pour rien, je sais pas. T'as peur ? Je sais pas si c'est vraiment de la peur qu'on peut appeler. Du stress, de l'angoisse, ouais. C'est pas très normal de ressentir ça quand on va chez sa mère, quoi. Normalement, c'est un moment sympa. Ou... Normalement, ouais. J'espère que ça va bien se passer, quoi. Inquiète et pleine d'espoir, elle va une nouvelle fois tout faire pour se réconcilier avec sa mère. Nous n'assisterons pas à cette conversation car la maman d'Anne-Christine n'a pas souhaité participer au reportage. Après plus de 2 heures de discussion, Anne-Christine et Sophie ressortent de chez leur mère. Comment ça s'est passé ? Bah, pas très bien. Pas très bien, pas du tout comme je l'espérais. En fait, une fois de plus, je vais vers elle et je me fais vraiment encore jeter. Et voilà, c'est la haine là, elle ressort. Là, c'est sûr, il n'y a pas d'amour du tout. On peut avoir tout l'amour du monde, l'amour d'une famille, de l'amour d'une fille, d'un mari. C'est voilà, ces petits bouts ont des importances. Et moi, ce qui me manque, c'est l'amour de ma mère. Voilà, donc je peux vivre sans, mais c'est un effort que moi, je dois faire. Et voilà, et c'est dur. Et là, maintenant, je me demande... J'ai l'impression qu'il n'y aura jamais réconciliation, en fait. Ouais. Alors ça, c'était il y a quelques jours. Depuis, votre maman a souhaité venir sur ce plateau. Est-ce que ça change la donne ? Énormément. Qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'enfin, on peut avoir du dialogue et que, en fait, les choses ont évolué tout récemment. Mais entre le reportage et l'émission, vous êtes parlé ? Oui. Un petit peu, oui. Oui. Pas beaucoup ? Au téléphone, oui. Qu'est-ce que vous êtes dit au téléphone ? Et ben justement, il y a eu des explications, il y a eu certaines révélations qui m'ont aidé aussi à comprendre les actes éventuellement qu'elle a pu avoir. On va essayer de raconter un peu votre histoire pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. En fait, vous avez toujours une relation compliquée avec votre mère, même quand vous étiez une petite fille. Oui, ça a été compliqué, oui. Vous avez connu votre mère à quel âge, véritablement ? Alors, je l'ai connue, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a laissée chez ma grand-mère, donc maternelle, entre 3 et 5 mois. Jusqu'à l'âge de 5 ans. Au Portugal, pendant qu'elle était partie en France. Voilà, oui. Mais je la voyais de temps en temps pendant ses congés, en fait. Et donc ensuite... à peu près une fois par an. Et ensuite, vous êtes partie donc, de chez cette tante à l'âge de 5 ans. Non, de chez ma grand-mère. De chez votre grand-mère à l'âge de 5 ans. Oui. Pour rejoindre votre mère. Quel souvenir vous gardez de ce rapprochement ? Ça a été très difficile. Parce qu'en un mois, on m'a demandé beaucoup de choses. On m'a demandé de m'adapter au nouveau pays. J'ai eu énormément de mal à m'adapter à tous les niveaux. Nouvelle langue, nouveau pays, nouveau système d'école, parce que je suis arrivée au mois d'août. Un mois après, on m'a dit « tu vas à l'école », mais ce n'était pas du tout le même système que là-bas, je ne connaissais pas. Et puis vous avez quitté celle qui vous avait élevée. Je ne sais pas si vous la considériez un peu comme votre mère, votre grand-mère. Tout à fait. Ouais.
pour trouver une autre famille, quoi. Vous n'aviez pas vos repères, quoi. Bah non, il fallait que, en fait, relier les liens, mais c'est pas évident. Ça n'a pas été possible. Pourquoi vous n'avez pas réussi à créer le lien avec elle? C'est-à-dire, quand elle est arrivée en France, ben j'ai fait le possible. Moi, je croyais bien faire. Je voulais ma fille avec nous. Et d'abord, je ne l'avais pas abandonnée. Je l'ai laissée avec mes parents qui m'ont forcé un petit peu à rentrer en France pour essayer de faire une meilleure vie. J'ai toujours aimé ma fille. C'est les 5 années les pires de ma vie, monsieur. J'ai beaucoup souffert pour ma fille. On se mettait en contact avec elle, pas par téléphone, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le téléphone. Vous lui aviez déjà dit que vous l'aimiez très fort, votre fille? Vous lui avez dit? À pas très longtemps. Je l'ai dit la semaine dernière ou cette semaine même. Mais Entre 5 et 33 ans, ça fait une petite distance. Monsieur, quoi. J'ai essayé souvent de l'approcher. Mais vous n'avez pas réussi? Pas réussi parce qu'Anne-Christine ne voulait pas me voir. Mais madame, j'y allais à la maison, souvent, je voulais... Même à une petite fille de 6 ans, 7 ans, vous ne réussissiez pas à exprimer votre amour maternel? Si, j'avais de l'amour pour ma fille. Non, mais exprimer, je veux dire. J'avais de l'amour pour ma fille. Oui. Vous trouvez que très difficile. Vous trouvez votre mère dure avec votre sœur? Oui. Dure comment? Parce qu'on a du mal à comprendre ce qui se passait, vraiment. Dure parce que je crois qu'elle n'arrive pas encore à comprendre pourquoi un enfant a besoin de mots, de « je t'aime, maman ». Et c'est vrai que... Et c'est vrai que... « je t'aime, ma fille ». Oui, ouais, c'est ça, ouais. Quoi. Donc, et puis, il y a aussi une question de génération. Mes parents ont vécu au Portugal à une époque où il y avait de la famine, de la dictature. Nous, on n'a rien connu de tout ça. Donc, c'est vrai que la psychologie au Portugal, ce n'était pas vraiment ça. Et, bon, ni même en France, à cette époque-là. Hein. Ouais. Et les besoins des enfants, c'était très, très limité. Oui, c'était pas exprimé, ça. Souvent, j'ai entendu cette phrase, tu as mangé dans ton assiette, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Votre mère était très différente avec vous? Oh oui, très. Mais vous, madame, vous avez l'impression d'avoir donné la même tendresse à vos deux filles? Moi, je pense. Oui. J'ai le même amour, je sens le même amour pour ma fille, pour l'une et pour l'autre. Mais est-ce que vous avez donné aussi? Ben, quelque part, je me sens beaucoup coupable de l'avoir laissée avec mes parents. Si ça serait aujourd'hui à recommencer, je ne pourrais jamais refaire ça. Mais après, une fois qu'elle est arrivée en France... J'ai essayé, mais il y a eu beaucoup de choses que... je ne veux pas rentrer dans des détails. Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu des choses, je sais qu'elle a beaucoup souffert pour s'intégrer dans cette langue. Déjà, moi aussi, j'ai beaucoup souffert. Compliqué. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement. Vous ne savez pas ce qui a fait que... J'ai beaucoup souffert et je sais qu'elle a souffert. Aujourd'hui, je tiens à dire, c'est que tout ce que je souhaite, c'est qu'elle coupe ce cordon. Je suis prête à faire n'importe quoi pour revenir en arrière, si c'est possible. Vous dites couper ce cordon. Et qu'elle vienne à la maison quand elle veut, pas quand je l'appelle pour venir. D'accord. Qu'elle vienne quand elle veut, parce que je l'appelais souvent pour venir à la maison. Et elle venait. Mais il fallait que je l'appelle. À l'âge de 16 ans, Anne-Christine, vous êtes rebellée. Oui. Vous n'en pouviez plus, quoi. J'en pouvais plus de vivre dans cette ambiance, en fait, parce que c'était... Il y avait de la violence dans cette... Il y avait de la violence, oui. Verbale? Verbale, physique. De votre mère envers vous-même? Oui, toutes les deux, l'une contre l'autre. On a du mal à l'imaginer, hein, là, ce soir. Bah ouais, mais ça... Elle était violente avec vous, vous étiez violente avec elle? Je l'ai été aussi. Vous avez été témoin de scènes comme celle-ci, vous? C'est terrible. Toute mon enfance a été baignée là-dedans. Et pour moi, je crois que c'est difficile aussi pour la personne qui est en retrait parce qu'elle ne comprend absolument rien, quoi. Moi, je suis arrivée et je n'ai jamais connu ma sœur et ma mère. Bras dessus, ma fille, ma mère. Vous faire des bisous, même? Ah non, non. Non, non, que de la violence, que ça, que de la haine. Vous êtes rebellée, vous avez fugué, vous avez été aidée par un monsieur. Vous vous êtes retrouvée placée, ensuite vous êtes partie de la maison, quoi. Je suis partie de la maison à l'âge de 16 ans, comme ça, à l'aventure. Comment vous expliquez son absence à l'époque? Un jour, ma mère, c'était moi qui mettais la table, c'était le jour où je devais mettre la table, et maman m'a dit, ce soir, mais pas 4 couverts, mais en 3. Point barre. Point barre. Vous avez passé 2 années en foyer, Anne-Christine, avant de retourner vivre au domicile familial. Vous nous avez expliqué avoir tenu à ce que vos parents sachent que c'est vous qui les avez cambriolés, parce que vous les avez cambriolés. Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, c'était une façon de montrer que j'existais, quoi. J'étais... Parce qu'en fait, il y a eu coupure, mais ma mère a toujours su finalement où j'étais à peu près. Donc, sans pour autant venir vers vous? Si? Il y a eu des tentatives, ah, mais oui. Bon. Mais vous, vous n'aviez pas envie de à renouer? À l'époque où j'ai été placée en foyer, je n'avais absolument pas envie de la voir. Qu'est-ce que vous ressentiez pour elle à ce moment-là? J'ai eu un sentiment de haine à ce moment-là, oui. Donc vous avez cambriolé, vous avez tout abîmé, tout... Comment vous avez signé votre délit? J'ai laissé en fait des habits à moi, donc ça ne pouvait être qu'à moi. Vous compreniez la lettre de votre fille? Quand vous avez su que c'était elle qui avait cambriolé la maison, comment vous avez réagi, Julia? J'ai réagi très mal, parce que justement ça m'a fait très mal en sachant que c'était vraiment elle. Vous avez pensé quoi? Je me suis sentie coupable. Parce que si elle a réagi comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour arriver à un point pareil. Donc ça me culpabilisait en beaucoup de choses. Et je le regrette énormément aujourd'hui encore. Vous avez du mal à vous parler toutes les deux directement, hein? Non? Bon, peu. Mais moi je me force à le faire. Je l'ai toujours fait. C'est vrai? Anne-Christine, non, elle a du mal à s'exprimer. Elle a un peu de mal, mais moi j'y vais. Moi j'y vais, je l'affronte. C'est arrivé que ce soit moi qui la, Qui la repousse, oui. Qu'est-ce qui pourrait faire que les choses s'arrangent avec votre fille, Julia, aujourd'hui? Aujourd'hui, je souhaite tout ce que je souhaite, c'est que ma fille revienne vers nous. Et qu'elle nous pardonne. Et puis, j'espère qu'elle reconnaît aussi que tout le monde fait des bêtises. Julia, vous dites qu'elle nous pardonne. Qu'elle vous pardonne de quoi? Oui. Ben, de la façon que j'ai réagi. Parce que j'étais un peu sévère, c'est vrai, je le reconnais. Mais ça fait que j'avais de plusieurs raisons. D'accord. Mais bon, on n'aurait pas besoin d'arriver aussi loin. Mais je voulais dire aujourd'hui qu'elle coupe tout ça, qu'elle met tout ça derrière et qu'on est là pour reconstruire quelque chose. J'espère qu'elle est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ça, y a pas de... Mais que ce soit sincère, vraiment. Vous avez de ma part, je suis sincère. Vous avez dit à votre fille que vous l'aimiez il y a quelques jours? Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Ben, je l'ai téléphoné, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire par téléphone, elle sait très bien. Vous avez dit quoi? D'ailleurs, pour pouvoir venir à cette émission. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait pardonné. Et Mais elle vous a pardonné quoi, juste? Elle m'a pardonné, je parce pense. Parce que dans l'histoire, mine de rien, c'est plus elle qui vous a éjecté de sa vie, quoi. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a eu plus ou moins deux périodes. C'est-à-dire qu'il y a eu avant 16 ans et le après 16 ans. Ouais. Et moi, bon, les bêtises que j'ai faites pour me révolter, pardon, etc., ça a été après 16 ans. Mm-hmm. Mais si je suis partie à 16 ans, c'est qu'il y avait aussi une cause. Ce n'était pas pour le plaisir. Donc, elle m'a pardonné les bêtises que j'ai pu faire. Les cambriolages, tout ça? Par exemple. C'était pas de sa faute. C'était de sa faute, quoi. C'était pas de la vôtre, mine de rien. C'est parce que justement. Ouais, mais action, réaction, réaction, action. Voilà. Bah, t'es là, toi. et pourquoi, vous, dans cette histoire, vous n'avez pas pris parti pour votre sœur qui était quand même un petit peu éjectée de. Bah, moi, le problème, c'est. C'est ça que je comprends pas aussi. J'ai pas mal d'années de différence, donc elle était très jeune à l'époque. C'est vrai. Mais elle a quand non, même. Non, mais moi, j'ai. Je te pose des questions, il faut laisser répondre. Ouais, je t'apprendrai. Quand c'est mon côté Marc-Olivier Fogiel, excusez-moi. D'ailleurs, j'embrasse. D'accord. Moi, quand je suis arrivée là-dedans... Quelqu'un veut embrasser Ardisson, non, pendant qu'on y est, non? Allez, on l'embrasse. Allez-y, non, allez. Quand je suis arrivée dans ce contexte, il faut dire ce qui est, il était clair que ma sœur était fautive. Fautive de quoi? Ça, j'ai eu toute ma vie pour le découvrir. Mais ma sœur était fautive. Alors, fautive donc, de qu'est-ce que vous avez découvert? Ben, j'ai découvert en fait qu'elle n'avait rien fait de particulier pour avoir cette haine. Et je crois en fait que le problème vient de... qu'il y avait déjà des problèmes avant nos naissances respectives. Et qu'il n'y a pas eu de reconnaissance déjà de la souffrance de mes parents. Donc génération plus génération, donc, ça se trimballe. Pas de reconnaissance de la souffrance de la souffrance vos parents de par ma leurs mère. Parents. Voilà. Ouais, ouais. Et donc c'est un schéma reproduit, vous pensez? Ah oui, ma mère a énormément souffert dans sa vie. Et du coup... il faudrait qu'on arrive à la comprendre parce qu'elle, elle a souffert. C'est et ça? Très souvent... C'est ça, Julia? Oui. Très souvent, quand on parle de nous, elle va dire « Ah oui, mais moi, avec mes parents,
Et là, c'est... on ne peut pas. On essaye de faire mieux pour ses enfants. Bien sûr. Mais, quand on mais parfois, on est prisonnier d'un schéma. Bah, oui. S'il n'y a pas eu les mots qui sont sortis pour l'expliquer déjà, aussi, voilà. Ouais. Pas de prise de conscience, quoi. Ouais, et puis... Bon, alors, vous l'aimez, votre maman, parce que là, ça fait trois quarts d'heure qu'elle vous dit qu'elle vous aime. Oui, je l'aime, mais je lui ai dit aussi que je l'aimais. Je l'aime. Il a du mal à vous parler directement, je trouve, ce soir. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu du mal à parler directement avec elle, d'où cette idée de l'être. Parce que pour moi, c'était ma mère et bon, bah, j'en avais peur quand même. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit quand vous lui avez donné cette lettre dans le reportage? Elle l'a lu, on a eu quelques explications, mais bon, la conversation, le jour même, a été très, très forte et très... Mais pas satisfaisant, visiblement. Du tout. Le ton est monté très haut, ça a été... Et après cette discussion, Julia, vous avez eu envie de revenir vers votre fille, c'est pour ça, vous avez raté un truc? C'est-à-dire que sur le moment que j'ai vu cette lettre, j'ai vu des choses que c'était quand même... C'était vrai, mais pas bien expliqué, c'était très dur. Trop dur. Moi, j'ai pris ça un peu... On aurait pu s'expliquer d'autrement. Vous avez pris ça comme une agression, un peu? Ou un règlement de compte? Non, pas... Elle avait trop besoin dur, de vous ça. Dites. Elle trop avait dur, besoin vous... de ça. Vous dites trop dur, donc un peu injuste, pas tout à fait vrai? Pas tout à fait vrai, parce qu'il faut qu'elle... C'est ce que disait Sophie, il y a eu des choses qu'il fallait faire par rapport... Les choses... Excusez-moi, mais je ne sais pas bien m'exprimer en français. On vous comprend très bien, Julien. Donc, on vous comprend très bien. Il y a eu beaucoup de souffrance entre nous deux, et puis voilà. Mmh. Oui. Vous avez eu de la chance qu'elle vienne. Moi, j'aimerais bien que ma fille vienne, ou qu'elle me laisse un mot. Mais je crois qu'elle le fasse, on transmettra. Et je lui adresse, si elle me voit, je lui dis, mais viens t'expliquer, viens dire ce que je t'ai fait. Pas obligé de le faire ici, mais au moins faites-le dans. Oui. Non, pas ici. Mais justement, c'est ça j'ai demandé souvent à Sophie et à Anne-Christine qu'on n'aurait pas la peine de passer à la télé. Pour s'expliquer, il fallait tout s'expliquer, dire ce qu'il fallait, mettre les points dans les i, et puis voilà, on arrivait à un accord. Elle avait peur de devenir toute seule. Bon, ben, heureusement, il y a Sophie qui a tout fait. L'ambassadeur du Portugal, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ce soir? J'ai réfléchi après que Sophie m'a appelé pour me dire que ça serait bien, etc. J'ai téléphoné à Anne. Elle ne savait pas que j'avais eu cette conversation avec Sophie. Et puis bon, j'ai dit à mon mari, bon, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il fallait d'abord que je discute un petit peu avec mon mari, parce qu'on est tous les deux, moi je ne suis pas toute seule. Et donc, il m'a dit, tu fais ce que tu penses, pour le mieux. Donc, vous êtes venue. Et moi, je suis venue. Et je pense que pour moi, ça a été très, très dur de venir. Et j'espère que Anne-Christine prenne ça comme preuve d'amour, parce que pour moi, ça a été très dur de l'affronter ici, surtout la télé. Pour moi, moi aussi, je t'aime, mais pour moi, ça a été... Moi, je l'ai su hier soir, donc je n'ai pas eu le temps d'en discuter avec elle. Moi, je l'ai su cet après-midi. Ouais. Donc, mais pour moi, je sais que c'est important pour elle et que je sais qu'elle fait un... Et pour vous oui, aussi. C'est très important aussi, également. Et je crois que du discours de ma mère, ce qu'on ressent aussi, c'est que avant qu'il y ait notre souffrance, il y a déjà une énorme souffrance. Un passé. Très, très lourd. Vraiment très, très lourd, quoi. Et ce qui fait que la conséquence a plus été peut-être une maladresse. Oui, il y a eu un malentendu, truc. Quoi. Sur lequel tout le monde est resté malentendu. Campé, quoi. Voilà. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en étant enfants, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Et puis la vie, elle passe vite. Les années passent, et en fait, il n'y a que très récemment, là, juste avant, là, on peut dire il y a une semaine, que j'ai eu des explications. Parce que finalement, c'est ça que j'attendais aussi. Et moi, ça m'aide à comprendre... Il faut verbaliser, c'est un message qui doit passer ce soir pour ceux qui nous regardent. Ça m'aide à comprendre pourquoi elle a agi comme ça. Et là, vous l'avez dit à l'instant que vous l'aimiez. Oui. Vous l'avez haï. Je l'ai haï, je l'ai aimé et je l'aime. Yann Kefelec pour la conclusion de l'émission. Merci Julia, bravo. Bienvenue parmi nous, Yann. Parfait.
Alors. Alors. C'est la combien de fois que vous venez ici, vous? Oh, je ne les compte plus. C'est un plaisir. Oui, pour moi aussi, d'ailleurs. Merci. Écoutez, après avoir écouté cette émission, je crois qu'on peut être raisonnablement optimiste. C'est vrai que quand la vie nous place dans une situation de haine, on n'a pas le choix, il faut s'en sortir. Je ne sais plus qui a dit que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. On peut dire que la mesure de la haine, à tous les coups, c'est la solitude, et qu'il faut briser ce cercle vicieux d'une manière ou d'une autre, sauf à disparaître soi-même et à se perdre. Alors quand on vous écoute, quand on écoute Sophie et Christine, c'est vrai que je suis très sensible à cette histoire parce que je sais que dans les familles où on donne à un enfant le sentiment qu'il est moins aimé qu'un autre, c'est des dégâts énormes. Donc là, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, mais c'est vrai que c'est très difficile. Et je sais vous que vous avez raconté ici une fois que c'était compliqué avec votre père pour vous, Yann. J'ai pu avoir peut-être un peu moins lourdement, si vous voulez, que ce qu'on a entendu ce soir, mais j'ai pu avoir effectivement un sentiment assez proche. Et que quelquefois, les mots, même quand ils viennent un peu tard, quand même les dégâts ont été commis, l'enfance est passée, c'est difficilement réparable. Enfin, visiblement, vous êtes sur la bonne voie. Excuse-moi, c'est la présence de Julia ce soir. Oui, je trouve ça. En tout cas, je trouve ça magnifique qu'une mère comme ça contre tout ce qu'elle ressent, et fait l'effort de se déplacer pour avouer publiquement, pour dire publiquement qu'elle aime sa fille. Ça, je pense que c'est considérable pour Sophie. Hein. C'est bien. Je me trompe. Anne-Christine. Moi, j'étais de dos, donc. Oui, c'est ça, tu t'es inversé. Bon, alors là, ce qui est super aussi, c'est le pouvoir de la fraternité. Ça, c'est vrai que chacun ici s'en est sorti à sa manière, et ça, on dit la sororalité, non? On dit. Je ne suis pas féministe au point de dire sororalité, mais je veux bien ce soir faire une exception. Alexandre et Monique. Bon, là, c'est très très beau de voir une mère. Je ne sais pas du tout comment je réagirais si je retrouvais un de mes gamins comme ça ou un de mes enfants dans un. J'en sais rien, mais de voir une mère reportée sur celui dont elle peut considérer qu'il est à l'origine d'un malheur irréparable, reporter comme ça une partie de l'amour qu'elle a pour son fils sur celui qui est. Ça, c'est prodigieux. Alors, ici, c'est le conte de fées. Hein. Le divorce qui devient, au contraire, l'union. Mais ça tient bien parce qu'ils sont divorcés encore. Hein. Oui, mais justement, surtout ne vous remariez pas. Oui, c'est ça. Ça, c'est très bon. Pas pour tout le monde. Martine, j'ai de la. Ouais, je suis en empathie avec Martine parce que. Oui, c'est. Effectivement, c'est une situation qui, pour l'instant, est une situation bloquée. Vous en feriez un roman de mon histoire. Ouais. Oui, il n'y a que des romans, de toute façon. Ah oui, il y a eu des romans, mais là, j'ai pas dit trois quarts. Non, le roman un peu vaudeville, tragédie et vaudeville, celui de. Le bus et le suppositoire, là. Oui. Ah ça, franchement, le bus en train de poursuivre. La Super 5 Rouge, je peux citer la marque, parce qu'elle n'existe plus, cette voiture sur le marché. Donc, Quant à Muriel, moi, je n'aurais absolument pas, je pense, cette force d'âme que vous avez. Moi, je considère que les viols d'enfants, je ne peux absolument pas entrer dans la peau du violeur et me dire qu'il n'est pas pétri simplement que de démons. Je trouve ça bravo, mais je n'y arriverai pas. Et alors, Benoît, j'ai quand même envie de lui dire que, pour moi, seule la mort est irrémédiable. Mais en même temps, je connais suffisamment les dégâts de l'alcoolisme pour savoir que, l'alcoolisme lui-même est déjà une forme d'enterrement. Et qu'à ce moment-là, on a peut-être envie, par cynisme, d'aller encore plus loin dans cette direction tragique. Et étant romancier, j'ai envie de finir tout de même par la phrase de Maupassant que je trouve très belle. Okay. La vie, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. Ah oui. Tout à fait d'accord avec ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci Yann, bonsoir. À mercredi prochain, si vous le souhaitez. Merci. Merci. Faut-il tout faire pour sauver son couple? C'est le thème d'une prochaine émission. Vous n'avez plus de relations sexuelles avec votre conjoint et vous souhaitez y remédier. Vos disputes incessantes mettent votre couple en péril. Vous ne partagez plus rien dans votre couple, mais vous refusez de divorcer. Votre conjoint souffre d'une dépendance et vous vous battez pour l'aider à en sortir. Contactez-nous au 01 53 84 30 55.